Regarde Mbappé, oh, tout le monde dit, on m'a invité là parce que alors qu'on a compris, on a enfin fait de l'écouter. Monsieur Touré, bonjour. Allô? Oui, allô? Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, monsieur Camara. Merci d'avoir accepté mon invitation encore aujourd'hui. Et c'est un plaisir. Merci. Notre thème d'aujourd'hui porte sur certaines questions concernant l'armée guinéenne. Ok. À la demande de nombreux abonnés, je vous prie de revenir sur les structures de l'armée et les hommes qui sont habilités à diriger ces structures. C'est ma première question pour vous. Ok. Alors, vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. Ok, donc on va démarrer. Oui. Je pense que les bon nombre de gens qui ont posé cette question, oui, oui, ils essaient de comprendre. Oui, oui, de revenir en pourquoi. Course. Oui. Voilà, ils essaient de comprendre pourquoi dans notre armée il y a une mauvaise organisation. Bien sûr, oui. Parce que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, oui, qui parle de l'armée parle d'institution. Mmh. Et qui parle d'institution pas de création, pas de structure, pas de nombre, pas de responsabilité. Mmh. Donc, pour aller très vite, oui, la première structure de notre armée, ça commence par le binôme. Comme on le dit, le binôme, c'est l'association de deux hommes qui jouent un même rôle, mais complémentaires. Mmh. C'est-à-dire, à la différence avec l'armée américaine, et ils ont ce qu'on appelle le trinôme. Je vous avais expliqué la raison pourquoi les Américains, ils commencent leur structure par trois personnes, par trois hommes. Oui. Nous, dans le système français, on commence par le binôme, bi veut dire deux. Okay. C'est-à-dire, c'est les deux personnes qui sont à la base des structures de notre armée. Non. Mmh. Donc, ces deux personnes-là, au point de vue de responsabilité, là, vous verrez qu'il n'y a pas de responsable. Mais les chefs qui ont posé ces plans, ils ont bien expliqué que dans un binôme, il faut qu'il y ait deux personnes, mais les deux personnes, comment on les associe? Il faut qu'il y ait la personne la plus forte soit associée à la personne la moins forte. Donc le plus bon doit être associé au moins bon. C'est ce qui crée le binôme. Pas les deux qui sont bien, mais le moins bon qui accompagne ce qu'on appelle le plus bon. Mais dans la tâche, il n'y a pas de responsabilité. Vous ne pouvez pas dire que c'est le plus bon qui est automatiquement le chef. Non, c'est le plus mauvais qui est le chef. Non, il n'y a pas de responsabilité ici parce qu'on appelle ça la structure de base. Ok. Donc la première structure, c'est le binôme. Partagez, s'il vous plaît. Mm-hmm. La deuxième structure, c'est l'équipe. L'équipe, c'est deux ou trois binômes. Comme on le dit, binôme, c'est deux fois deux ou trois. Donc l'équipe, c'est soit quatre hommes ou six hommes. Donc, prenons six hommes qui forment une équipe. Quand cette équipe elle est formée, puisque la question parle de la responsabilité donc du groupe est assurée par le caporal chef qui devient le caporal qui devient chef du groupe, de l'équipe. Donc, l'équipe constitue ce qu'on appelle la deuxième structure. La première, je rappelle, c'est le binôme. La deuxième, c'est l'équipe. Et l'équipe est composée de quatre ou six personnes, comme je l'ai dit, dans sa formation, c'est deux ou trois binômes. La troisième structure, oui, de l'armée, qui est une institution importante. Cette troisième structure s'appelle le groupe. Le groupe est composé de 10 personnes, si vous voulez, de 10 hommes ou de 10 combattants. Oui. Donc, le groupe, dans sa responsabilité, il est toujours dirigé par un sergent. Mm-hmm. Qui est le chef du groupe. Oui. Donc, la quatrième structure qui suit s'appelle la section. La section, comme on le dit, c'est trois groupes. Mm-hmm. C'est trois groupes. Oui. Donc, si je reviens un peu sur le groupe, je vais vous dire pourquoi le groupe est 10 personnes, 10 hommes. Mm-hmm. Parce que le groupe est composé de deux équipes. Donc, deux équipes, ça peut être de 10, comme je l'ai dit, de 4. Une équipe, comme je l'ai dit, une équipe, c'est 4 ou 6 personnes. Donc, le groupe, ça peut aller de 8
de 8, de 10 ou de 12. Ça dépend de votre nomenclature. Ça, si vous avez choisi que votre équipe, c'est 4 personnes, donc vous aurez dans le groupe 8 personnes. Si vous avez choisi que votre équipe, c'est 5 personnes, dans le groupe, vous aurez 10 personnes. Si vous avez choisi que votre équipe, c'est 3 binômes, donc 6 personnes, donc dans le groupe, vous aurez forcément 12 personnes. C'est ce qu'on appelle l'effectif organique. Vous comprenez? Oui. Donc, dans la section qui constitue la quatrième nomenclature, donc la quatrième structure de l'armée, vous avez là-bas, comme nombre dans une section, vous avez 30 hommes, donc 30 combattants. Et la section est toujours dirigée par quelqu'un qui porte ce qu'on appelle le grade de lieutenant. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas lieutenant, vous n'êtes pas en mesure de diriger une section. La cinquième structure, c'est la compagnie. La compagnie, elle compte trois sections. Comme je l'ai dit, une section égale à 10 personnes, donc la compagnie compte 3 sections. Ce qui fait que dans une compagnie, si vous avez 30 fois 3, ça fait combien? Ça fait 90. Donc dans une section, vous avez 90 hommes ou 90 combattants. Ça s'appelle l'effectif organique. Mais comme dans toute structure de l'armée, il peut y avoir ce qu'on appelle des effectifs complémentaires. Ce que l'armée appelle l'effectif renforcé. C'est-à-dire que l'effectif au sein duquel vous avez les conducteurs, vous avez les gens qui assument d'autres tâches, vous avez ce qu'on appelle les toubib. Les toubib, c'est l'appellation de médecins dans l'armée. Donc voilà, des gens qui renforcent l'effectif de la section comme 120 hommes. Oui. Quand vous quittez la catégorie de la section, on a dit que la section, qui dirige la section? Selon la question, donc qui dirige la section, c'est le capitaine. Pourquoi le capitaine? Parce qu'on dit que le capitaine, c'est lui qui porte le galon de 3 barrettes. Chaque barrette là correspond à une section. Donc comme on le dit, chaque barrette constitue donc une section. Donc un capitaine, il est responsable de diriger 3 sections qui constituent une compagnie. Donc quand on dit capitaine, puis quelqu'un est capitaine, on dit ah! Il est sur le terrain, donc il a la capacité de diriger une structure de l'armée qu'on appelle la compagnie. Après la compagnie, la structure qui suit s'appelle le bataillon. Le bataillon, c'est à peu près 4 compagnies. Le bataillon, à peu près 4 compagnies. Donc le bataillon, le nombre, ça va de 400 jusqu'à 500 soldats. 400 à 500 soldats. Wow. Et le bataillon est toujours dirigé par un commandant. Comme je l'ai dit, le bataillon, c'est 4 compagnies, donc vous avez un commandant, il a 4 barrettes sur l'épaule. Oui. Donc l'armée, c'est facile à déchiffrer, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qui signifie quoi dans les grades. Et surtout ça, d'ailleurs. La structure qui suit après le bataillon, ça s'appelle le régiment. Vous entendez trop parler du régiment, dans le procès qui se passe là, le procès du 28 septembre. Yeah. Donc le régiment aussi, c'est une structure qui est composée de 3 bataillons, mais son effectif va de 1000 à 1500 soldats. Donc 1000 à 1500 soldats. Donc ce régiment, il est dirigé par une personnalité de l'armée qui s'appelle le colonel. Donc il porte le grade de colonel. Donc si normalement, dans la structure de l'armée, si vous n'êtes pas colonel, vous n'êtes pas donc habilité à diriger un régiment. Donc un régiment, comme je l'ai dit, est composé de 4 bataillons. Le bataillon est composé de 3 compagnies. La compagnie est composée de 3 sections. Donc chacun dans son camp a une responsabilité, un homme qui dirige ce qu'on appelle la responsabilité dans le commandement. Donc le régiment est commandé par un colonel. Son effectif va de 1000 à 1500 soldats. Après le régiment, c'est la brigade. La brigade, c'est la structure la plus importante. On appelle ça, c'est le premier échelon supérieur important de commandement. Parce que la brigade, elle est composée de 5000 hommes jusqu'à 10000 hommes, une brigade. C'est pourquoi une brigade n'est pas dirigée par n'importe quelle personne. Une brigade est dirigée par un général qu'on appelle général de brigade. Le général de brigade donc commande 5000 jusqu'à 10000 hommes dans son effectif. Après la brigade, l'autre structure qui suit s'appelle la division. La division, elle aussi, elle a un effectif de 15000 hommes
jusqu'à 20 000 soldats, de 15 000 à 20 000 soldats. Et la division est dirigée par un général qu'on appelle général de brigade. Quelle structure qui suit après la division? C'est le corps d'armée. Donc l'autre structure qui suit s'appelle le corps d'armée et son effectif va de 80 000 à 100 000 hommes. Et cette structure est dirigée par le général du corps d'armée. Comme je l'ai dit, ce sont les structures qui sont intégrées dans l'institution armée. Au-delà du général du corps d'armée, vous avez le chef qui chapeaute tout, qu'on appelle le général d'armée. Donc le général d'armée, c'est le patron des patrons, si vous voulez, de tout ce commandement-là. Donc on quitte du binôme, on vient à l'équipe, de l'équipe on vient au groupe, du groupe à la section, de la section à la compagnie, et de la compagnie au bataillon, du bataillon au régiment, du régiment à la brigade, et de la brigade à la division, de la division au corps d'armée. Donc voici les structures qui constituent ce qu'on appelle les bases de l'armée guinéenne, à la nomenclature de l'armée française. Dans le procès, par exemple, si je vais ouvrir une parenthèse, vous entendez tout le monde Dadi, c'était le chef de régiment. Les gens insistent sur ça, c'est comme s'ils ne connaissent absolument rien. Alors que Dadi, normalement, dans sa posture, s'il a été élu président de la République, normalement, sa posture, c'est le commandant en chef des forces armées. Oui. En aucun cas, il ne peut devenir chef de régiment. Pourquoi? Parce que si on insiste sur le fait qu'il est chef de régiment, alors qu'il y a d'autres structures les plus importantes que le régiment, par exemple la brigade, qui va être alors chef de régiment? Qui va être chef de la division? Alors que la brigade, c'est au moins 5 000 à 10 000 hommes. La division, c'est 15 000 à 20 000 hommes. Et le corps d'armée, c'est 80 000 à 100 000 hommes. Donc si on insiste sur le fait que c'est le président de la République qui a été choisi comme chef de régiment, ça veut dire qui commande les autres catégories les plus importantes, donc les plus élevées, les plus lourdes que la catégorie de régiment. C'est la question qui se pose, donc j'invite les techniciens à réfléchir pour ne pas commettre des bêtises. Merci. Donc voilà, en quelques mots, résumer la structure de l'armée. Et vous avez vu, dans chaque colonne, il y a ce qu'on appelle les responsabilités qui se dégagent pour le bon fonctionnement de cette institution. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup, mon frère. Vous avez écouté la réponse de notre invité concernant les structures de l'armée et les hommes qui sont habilités à diriger ces structures. Merci beaucoup, Monsieur Touré. On passe aux deuxièmes questions. Oui. Pouvez-vous nous parler de l'élévation des grades dans l'armée? Ah, ça c'est un sujet qui est extrêmement important. Mm-hmm. Important, vraiment. Parce que les gens qui ont réfléchi, ils ont essayé de comprendre comment notre armée fonctionne. Oui. Parce que on voit qu'il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui gagnent des grades en l'espace de 9 mois, comme je l'avais rappelé la dernière fois. Oui. Des grades, ramassent des grades comme des cacahuètes, alors que ça ne se doit pas. Ce qu'il faut retenir dans cette question, c'est que l'avancement dans les grades, ça répond aux questions suivantes. La première question, c'est la question relative à la durée dans l'avancement du grade. Et la deuxième question, elle est relative à la notation sur le tableau d'avancement. Donc, dans l'armée, c'est ça. Si vous avez commencé, vous avez signé votre engagement, vous avez deux critères qu'il faut pour que vous puissiez avancer en termes de grade. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle la durée dans le grade. C'est-à-dire que si vous commencez par un grade, c'est-à-dire caporal, combien de temps vous allez mettre pour quitter de caporal pour venir au caporal chef? Combien de temps qui est codé, qui est écrit? Combien de temps qui est institutionnellement reconnu que personne ne doit outrepasser? Qui qu'il soit, ça dit que tu sois président de la République, que tu sois président de l'Assemblée, que tu sois n'importe qui, il y a ce qu'on appelle le respect de ces règlements-là, parce que ça fait partie des codes de conduite de l'armée. Donc, c'est comme un président, tu peux venir demain, tu donnes des grades à des cousins, à ta famille, aux éléments de ta famille. Non. Parce que tu dois suivre ce qu'on appelle les textes, parce que c'est une institution. Et l'institution, elle est protégée. On ne peut pas venir et mettre la pagaille là-dedans et quitter, comme ça a été le cas depuis le décès du président général Alassane Conté. L'armée guinéenne est une autre chose. Yep. Donc,
Dans le cadre donc de l'avancement dans le cadre, comme je l'ai dit, il y a la question de la durée. Cette question de la durée, on va expliquer, oui, comme on le dit, étape par étape. Très bien. N'est-ce pas? Oui. Donc, si vous prenez les catégories qu'on appelle les soldats de deuxième classe, oui, de première classe, oui, de caporal et caporal-chef, mm-hmm, une fois que vous êtes intégré dans l'armée, vous avez ce qu'on appelle un espace de temps qui va de 2 à 5 ans pour avancer. 2 à 5 ans. Vous êtes caporal, vous attendez 2 jusqu'à 5 ans. Pourquoi on a dit 2 à 5 ans? 2 ouais. à 5 ans, c'est une parenthèse qui est faite pour permettre à certains soldats, des bons, de passer à la deuxième année, les moins bons de passer au grade supérieur à la troisième année, et les plus faibles, donc, rester jusqu'à l'épuisement des 5 ans pour passer au grade supérieur. Donc, c'est comme ça. Vous rentrez, vous êtes soldat, vous êtes caporal, vous attendez 2 ans, même si vous êtes intelligent plus que le diable, même si vous êtes plus fort que n'importe qui, vous attendez obligatoirement 2 ans avant de passer. Ouais, il faut suivre les... Il faut suivre 2 ans avant de ouais. passer. Donc, au-delà de ça, les moins bons, et on attend jusqu'à la troisième année, on les fait passer, et les plus faibles, ils attendent jusqu'à 5 ans. Cela se remarque par quoi? Par deux deuxièmes critères, ce qu'on appelle la notation dans le tableau d'avancement. D'avancement, oui. Le tableau d'avancement, c'est quoi? Le tableau d'avancement, c'est un tableau officiel partagez qui relève ce qu'on appelle la mention des soldats, comme les élèves dans les classes, mm-hmm, les professeurs qui viennent chaque jour, ils vous notent. Oui. Ils vous notent chaque jour, ils vous notent. Si tu es moins bon, si tu es délinquant, tout ça, oui, il y a ce qu'on appelle le sergent qui relève dans un cahier qu'on appelle cahier de marche. Mm-hmm. Donc ce cahier de marche existe dans l'armée, dans cette catégorie-là. Donc on note les gens tous les jours vous faites votre présence, on vous note. On suit votre comportement jusqu'à la fin. Si vous êtes bon, on observe. Donc, mais puisque on attend la notation au sein de cette catégorie-là, ça se fait. La notation, elle se fait 4 fois par an. Donc, chaque trimestre, on évalue cette notation. C'est-à-dire la notation régulière là qui est faite, on regarde ça, on approuve. Chaque 3 mois, on approuve. On dit Malik Camara. Depuis qu'il a commencé, il a été correct. Il a une bonne conduite, etc. Donc, tous les jours, on note. Au troisième mois, le chef, qui est votre sergent-chef, il vient, il regarde en complicité avec le chef d'effectif. On vous note sur le tableau pour dire que oui, Malik a été très bon. Donc, le trimestre prochain, on vous note, Malik a été très bon. L'autre trimestre, le troisième trimestre, on dit Malik a été très bon. Le quatrième trimestre, on dit Malik a été très bon. Puisque cette catégorie-là ne peut être noté que 4 fois. Donc la notation dans cette catégorie, c'est 4 fois. Donc vous attendez ce qu'on appelle la fin de cette série-là. C'est pour vous dire combien de fois dans l'armée, il y a la discipline. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle, on cherche les meilleurs, mais aussi on cherche aussi à détecter les moins bons ou les plus délinquants. Parce que là, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les principes, il y a les règles disciplinaires qui sont observées. Il y a ce qu'on appelle les sanctions pénales aussi qui sont prévues. Donc c'est pourquoi à chaque étape, on veille à ce que les choses se passent de manière très correcte. Donc cette catégorie, elle est notée ce qu'on appelle 4 fois dans l'année, soit chaque trimestre. La deuxième catégorie, au-delà des catégories, qu'on appelle soldats de deuxième classe, première classe, c'est-à-dire soldats de deuxième classe, caporal, caporal-chef, ils sont notés 4 fois par an. Il y a une catégorie qu'on appelle les sous-officiers subalternes. Les sous-officiers subalternes, ce sont les officiers que vous comprenez, c'est-à-dire que c'est des sergents, adjudants-chefs, c'est les sergents et les sergents-chefs, je veux dire. Donc, les sergents et les sergents-chefs, eux aussi, à leur tour, ils sont notés ce qu'on appelle, et dans la notation, je vais revenir d'abord sur la durée de grade d'avancement. Donc, chez eux, ce n'est pas deux à 5 ans, mais dans cette catégorie-là, c'est 4 à 7 ans. C'est-à-dire, si vous êtes sergent, si vous êtes sergent, oui, ou sergent-chef, si vous êtes adjudant ou adjudant-chef, si vous êtes major, toutes ces catégories-là, vous êtes noté entre 4 à 7 ans. C'est-à-dire que le plus bon
ils passent au grade supérieur à partir de la quatrième année. Oui. Les moins bons, ils passent entre 5 à 6 ans, sixième année, et les plus faibles attendent jusqu'au grade de 7 ans pour passer au grade supérieur. Donc, je ne sais pas si je peux me reprendre sur cette catégorie-là. Oui, pourquoi pas, allez-y. Parce que c'est très complexe. Oui. On dit ça, c'est pour notre bien et c'est pour le bien de notre armée. Parce que notre armée ne peut pas continuer à être chiffonnée, comme ça a été le cas depuis le décès du président général Lassalle. Oui, ça c'est clair. Donc, je répète, dans l'avancement de grade, vous avez deux critères qu'il faut tenir en considération. Le premier critère, c'est la durée dans l'avancement. Et le deuxième critère, c'est la notation sur le tableau d'avancement. Donc, si dans la durée, au niveau de la première catégorie, des hommes qui viennent s'inscrire dans l'armée, qu'on appelle les soldats de 10e classe, les soldats de première classe, les caporaux, les caporaux-chefs, et ils font de 2 à 5 ans pour avancer. Et comme je l'ai dit, à chaque niveau, les premiers passent à la fin de la 2e année, les moins bons à la 3e année, et le reste attendent à la 5e année. La catégorie des sous-officiers, eux, ils attendent jusqu'à... Ces sous-officiers-là, ils attendent jusqu'à la... Et leur durée, c'est de 4 à 7 ans. C'est de 4 à 7 ans. C'est de 4 ans, vous êtes dans le même grade. Jusqu'à la 7e année, vous êtes dans ça. Le plus bon, il passe après 4 ans. Le moins bon, il passe à la 5e année ou 6e année. Ou le plus faible, il attend jusqu'à la 7e année. Mais, au niveau de la notation, comme dans la première catégorie, les soldats de première classe, de deuxième classe, première classe, et les soldats, les caporaux et caporaux-chefs, et ils sont nommés 4 fois dans l'année. Cette catégorie-là, et ils sont notés 2 fois dans l'année. C'est-à-dire chaque semestriel, chaque 6 mois, on procède ce qu'on appelle en annotation. C'est-à-dire on observe si le soldat a fait l'objet de bonne conduite ou s'il a été mauvais, il y a toujours des notations, parce que ce sont les notations-là qui sont cumulées, qui vous permettent d'avancer. Donc sans ces notations-là, on peut pas vous évaluer. Donc une fois que vous êtes évalué, que vous puissiez passer ce qu'on appelle à l'étape supérieure, donc au grade supérieur. Et dans cette catégorie, il s'agit des hommes qu'on appelle les officiers subalternes, c'est-à-dire les sergents et sergents-chefs, les sous-officiers, ce qu'on appelle subalternes, c'est-à-dire les sergents-chefs et les sergents et les sergents-chefs, les sous-officiers supérieurs, les adjudants-chefs et les majors. C'est eux qui attendent cette règle-là, c'est-à-dire la règle de 4 jusqu'à 7 ans. Exception, parce que dans toutes les lois, on dit qu'il y a une exception qui renforce la règle. Oui. Exception, c'est quoi? C'est quand vous êtes sergent, vous voulez passer au grade de sergent-chef, là, automatiquement, vous attendez 3 ans pour passer au grade de sergent-chef. Là, vous ne pouvez pas attendre 4 ans pour passer au grade supérieur. Si vous êtes sergent, 3 ans après, vous passez directement sergent-chef. C'est là la différence dans le fonctionnement de cette institution. Au-delà des lois, on aménage une exception. Et cette exception au niveau des officiers, les sous-officiers, elle est réservée pour le sergent. Le sergent, lui, fait 3 ans. La 4e année, il passe au grade supérieur. Mm-hmm. Est-ce qu'on se fait comprendre jusqu'à ce niveau? Très bien. Très bien. Et donc, vous, mes éditeurs? Voilà. Donc, puisque très bien. L'armée, comme on le dit, dans sa nomenclature, oui. Il y a ce qu'on appelle les sous-officiers et les officiers supérieurs. Oui. Donc, au niveau des officiers supérieurs, comment ça se passe? Non. Au niveau des officiers supérieurs, je vais rappeler déjà les officiers supérieurs. Quand on parle des officiers supérieurs, il y a 3 classes des officiers supérieurs. Lesquels? Il y a les officiers subalternes, il y a les officiers supérieurs et il y a les officiers généraux. Au niveau des officiers subalternes, c'est-à-dire les aspirants, les sous-lieutenants, les lieutenants et les capitaines, on dit que la durée là-bas c'est comme les sous-officiers, c'est-à-dire ça va de 4 à 7 ans. C'est-à-dire donc les plus bons, vous passez à la 4e année. Les moins bons, vous attendez à la 5e, 6e année pour passer. Et les plus faibles restent jusqu'à la 7e année pour passer. Ça, c'est le cas également des officiers supérieurs. C'est-à-dire les aspirants, des sous-lieutenants, des lieutenants et les capitaines. Mais là aussi, l'exception, elle est là. L'exception, elle est réservée seulement pour des gens qui sont du grade de lieutenant, qui attendent 3 ans pour passer automatiquement au grade de capitaine. Donc quand on est lieutenant, on attend 3 ans, automatiquement on passe de grade de capitaine. On n'est pas tenu obligé de respecter cette règle de 4 ans, qui va de 4 à 7 ans. Oui. Yeah. Donc, ça c'est
Après ça, oui. Après ça, on dit que ces officiers supérieurs, comme les autres officiers, sous-officiers, ils sont toujours notés, parce que les officiers sont notés, à l'exception des officiers généraux. Donc ces officiers-là sont notés, mais eux, leur notation, c'est une fois dans l'année. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qu'on suit, ce sont des patrons dans l'armée, et on regarde leur conduite, on regarde leur avancement, on regarde qu'est-ce qu'ils font, les exploits qu'ils font par année, etc., etc. C'est ce qui leur permet d'avancer au-delà de la durée qui est exprimée là, de 4 à 7 ans. Donc, quand on prend, n'est-ce pas, la catégorie les officiers supérieurs, c'est qui? Ce sont les commandants, ce sont les lieutenants-colonels, ce sont les colonels. N'est-ce pas? Yep. Ces officiers-là aussi, de cette catégorie, et ils attendent dans la durée d'avancement, ils ont une durée d'avancement qui va de 5 à 9 ans. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Très bien. C'est-à-dire, les officiers supérieurs, c'est-à-dire, si tu es commandant ou lieutenant-colonel ou colonel, tu attends de 5 ans, de 5 à 9 ans pour passer au grade supérieur. Vous comprenez? De 5 à 9 ans, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Wow. C'est-à-dire, le temps mis pour chaque officier pour passer au grade supérieur. Donc, j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gagnent des grades de manière inexplicable. Par affinité. Aujourd'hui, on te prend comme caporal-chef. On t'envoie direct. 9 mois, on te donne de grade de commandant ou de grade de lieutenant. C'est pas normal. Donc, les officiers supérieurs, comme je l'ai dit, la durée dans le grade, ça va de 5 à 9 ans. Alors que les notations, comme on l'a dit, la notation sur le tableau d'avancement, elle est fixée à un an, à une fois par an. Yeah. Donc chaque fois, on procède à la notation au niveau de ces gens-là, de cette catégorie d'armée-là. Donc c'est ce qui explique que les colonels, les commandants, les lieutenants-colonels, n'est-ce pas? Oui. Ils ne peuvent avancer à aucun grade supérieur tant qu'ils n'ont pas attendu normalement les 5 ans. Pour les bons, oui. Les 6 à 5 ans pour les moins bons et les 9 ans pour ceux qui sont ce qu'on appelle les médiocres. Donc ils attendent jusqu'à cette étape-là pour passer. Très bien. Et la dernière catégorie de cette partie, c'est-à-dire ce sont les officiers supérieurs, les officiers généraux. Les officiers généraux qui constituent, comme on appelle les généraux de brigade par exemple, les généraux de division ou les généraux de corps d'armée, sont des officiers qui n'obéissent pas à cette procédure-là. C'est-à-dire que pour eux, pour ces officiers-là, l'armée appelle ça la haute dignité de l'État. Normalement, comme la dernière fois, je vous ai expliqué les champs de répartition d'élévation en grade au niveau de chaque soldat, je vous avais dit que c'est si vous n'êtes pas président de la République, vous ne pouvez pas prendre de décision ou de décret pour élever le grade d'un soldat supérieur. Si vous n'êtes pas ministre de la Défense, vous ne pouvez pas prendre un arrêté pour élever le grade d'un certain nombre d'officiers qu'on appelle les sous-officiers. Si vous n'êtes pas le chef d'état-major général de l'armée, vous ne pouvez donc pas, par décision, élever le grade d'un certain nombre d'officiers. Donc, c'est un nombre de soldats, qu'on appelle les sous-officiers. Oui. Et si vous n'êtes pas le chef d'état-major particulier, vous ne pouvez pas prendre donc un arrêté pour, comme on appelle, vous ne pouvez pas prendre une décision pour élever ou bien pour faire un signe de distinction ou bien une nomination comme ça pour les soldats de deuxième classe ou de première classe. Donc, voici les catégories qui peuvent évoluer. Mais à ce niveau, au niveau des officiers supérieurs, qu'est-ce qui se passe? Oui. Même le président de la République, son pouvoir est limité. Parce que les officiers généraux, comme on le dit, à partir du général de brigade, le général de division ou le général de corps d'armée, ou le général d'armée, n'est-ce pas, cette catégorie appartient, n'est-ce pas, à l'appréciation générale du Conseil supérieur de la défense. Comme on l'a dit, l'armée est une institution. L'armée ne peut pas être abandonnée parce que l'armée, elle est guidée par le pouvoir exécutif. Et dans le pouvoir exécutif, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, quelqu'un va se présenter comme candidat aux élections présidentielles et ce quelqu'un peut être accepté, donc au suffrage universel, il peut gagner la confiance des populations, il peut être élu président de la République. Ce quelqu'un peut être une dame, ce quelqu'un peut être un homme, un civil. Donc, c'est quelqu'un peut être quelqu'un, en tout cas, qui ne soit pas l'armée.
Donc, l'armée, comme l'armée, c'est une institution, l'armée a dit, OK, on doit se protéger. Il faut créer au sein de nous ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense. Le rôle de ce conseil, c'est quoi? Lorsqu'un pays veut se décider d'aller à la guerre, par exemple, c'est ce conseil qui apprécie la décision du président de la République. Parce que dans la Constitution, on dit que le président de la République est le commandant en chef des forces armées. Par exemple, aux États-Unis, Biden est le commandant en chef des forces armées, mais il n'est pas militaire. N'est-ce pas? Chez nous, dans notre constitution, le président qui est élu, il est le président de la République, commandant en chef des forces armées. Oui. Mais c'est un civil. Donc, mais puisque c'est un civil, il doit être protégé. Pour des décisions militaires, il doit être protégé. Oui. C'est pourquoi on a aménagé ce conseil-là, qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense, pour se prononcer sur des questions, un, de nomination ou d'élévation en grade des généraux. Lorsque le président de la République veut décider de mettre quelqu'un du grade de colonel au grade de général, ton dossier doit passer d'abord au niveau du Conseil supérieur du Conseil supérieur de la défense. Oui, oui. Pourquoi ça? Parce qu'on ne peut pas donner la change aux gens qui sont opposés aux intérêts du pays en question, donc de la Guinée, d'être nommés à ce poste-là. Par exemple, si on prend un Malien, par exemple, comme c'est le cas actuellement en Guinée, malheureusement, on a mis un Malien comme le chef d'état-major général de l'armée. Ce qui ne se doit pas. Ce qui ne se doit pas. Oui. Donc, si on veut nommer quelqu'un, c'est le Conseil supérieur de la défense. Parce que dans le Conseil supérieur de la défense, il y a le représentant de toutes les institutions. Il y a l'exécutif qui est représenté à travers le ministre de la Défense. Il y a le judiciaire qui est représenté. Il y a l'Assemblée qui est représentée. Il y a les hauts dignitaires de l'armée guinéenne. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé, qui ont œuvré pour la Guinée, donc pour le pays, qui sont taillés et qui ont été choisis compte tenu de leur moralité et de leur dignité. Ce sont ces gens-là qui sont dans ce groupe-là qu'on appelle le Conseil supérieur le Conseil supérieur de la défense. C'est ce conseil-là qui décide si un colonel peut être nommé demain général, si un général de brigade peut être nommé demain général de division. On regarde, on peut même te fouiller. Même Malik, on dit, ah, Malik est un Guinéen, il est très bon, il est très gentil, mais il a ses défauts. Pourquoi? Ah, sa femme, elle est américaine. En ce moment-là, la Guinée est en problème avec les États-Unis. À cause du fait que la femme de Malik soit américaine, le conseil là va noter, non, on ne peut pas voter pour Malik parce que tout simplement la Guinée est en problème avec les États-Unis. S'il est nommé ou il est élevé au grade de général, il peut prendre certains secrets à travers sa femme pour donner aux Américains. Donc, à cause de ça, on peut recuser que un certain Malik Camara soit nommé comme officier conflict général. Comme général de division, ou général d'armée, ou général de brigade. Donc voilà les conditions qui protègent ce qu'on appelle un président de la République. Parce qu'un président peut être n'importe qui, comme je l'ai dit. Mais si l'armée est une institution, donc l'armée se protège davantage. Donc vous comprenez? Donc c'est pourquoi on explique que le président de la République va aux nominations des généraux, son pouvoir se limite là-bas. Mais quand vous regardez qu'est-ce qui se passe en Guinée, les généraux qui ont été nommés, d'abord, ils sont nommés par qui? La question se pose. La question se pose. Par eux-mêmes. Parce qu'ils sont nommés par qui? La question se pose. Et qui est nommé? On nomme même certains étrangers dans cette structure. Yep. Et est-ce que dans la nomenclature du décret, on a édifié après avis du Conseil supérieur de la défense? Non. Parce que la loi dit que pour ces nominations du président de la République, là, dans le grade de général, il faut que, comme on appelle, que le décret soit visé après avis du Conseil supérieur de la défense. Donc on dit, les gens qui observent ont dit oui, mais c'est une nomination sérieuse. La nomination, elle a été étudiée. La personne, elle est claire. Son dossier est clean, est propre. Donc vraiment, c'est un background. Mais lorsqu'on voit dans le décret, le président de la République élève un grade supérieur tel, 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 ça c'est un faux décret. Ça, c'est une fausse nomination. Très bien. Donc voilà ce qu'il faut retenir dans cette catégorie-là. Nous avons des problèmes avec ça. Parce qu'en Guinée, quand tu prends le cas de Toumba, par exemple, Toumba, je vais toujours revenir sur le cas. Parce que ce cas, pourquoi? Je ne suis pas contre lui, mais j'explique les détails et j'essaie de corroborer les détails, la théorie par rapport à la réalité. Oui, de ce qu'il a. Toumba, à la prise du pouvoir en 2009, par le capitaine Dadis Camara, il avait le grade de caporal-chef. Caporal-chef, je précise bien. Oui. Ils avaient dit d'autres gars par séparer. Donc, caporal-chef. Quelqu'un qui avait le grade de caporal-chef, en moins de 9 mois, il se retrouve commandant.
Alors que j'ai expliqué ici, je viens de vous expliquer que d'abord, la première phase où il est là, il appartient à une catégorie de gens qui ne peut avoir de grade supérieur que quand, que si et seulement si. Même s'ils sont bien comme des diables ou bien comme des anges, il faut qu'ils attendent au moins 2 ans pour passer au grade supérieur. 3 ans s'ils sont moins bons pour passer au grade supérieur. Et 5 ans s'ils sont vraiment pas bons pour passer. Et quand ils arrivent au niveau de la catégorie des officiers, des sous-officiers subalternes, c'est-à-dire il est sergent-chef, là aussi, il attend de 4 à 7 ans pour passer au grade supérieur. Comprenez? 4 à 7 ans pour passer au grade supérieur. Il arrive au niveau de sous-officier supérieur, c'est-à-dire il est adjudant-chef ou bien major, il attend également de 4 à 7 ans pour passer au grade supérieur. Il arrive aux catégories des officiers, les officiers subalternes, il attend 4 ou 7 ans pour passer au grade supérieur. Tu arrives au grade des officiers, les officiers supérieurs de l'armée, tu attends 5 ou 9 ans pour passer au grade supérieur. Et si tu arrives au grade des généraux, là, comme on l'a dit, la première observation, j'ai bien expliqué comment on nomme un général, mais arrivé là, la durée, elle est bien précise pour les généraux de division aussi, et pour les généraux de brigade aussi. La loi dit qu'un général de brigade doit attendre 2 ans. C'est pourquoi les généraux de brigade, ils ont deux étoiles sur leur épaule. Ils attendent 2 ans. La troisième année, ils passent au grade supérieur, c'est-à-dire au grade de général de division. Si et seulement si leur dossier est approuvé. Parce que c'est une condition de passage, comme je l'ai expliqué. Ça passe dans le train de ce qu'on appelle du Conseil supérieur de la défense. C'est le Conseil supérieur de la défense qui peut récuser un général. Ça, on ne veut pas te nommer. Donc, du général de brigade, c'est 2 étoiles. Donc, il attend 2 ans pour passer au grade supérieur. Et si tu es du général de division aussi, là, tu attendras 3 ans pour passer au grade supérieur. C'est-à-dire, c'est un général qui porte 3 étoiles. Il a le général de division, il attend 3 ans. À la 4e année, il passe au grade supérieur. Si et seulement si son dossier, il est approuvé. Son passage est approuvé. Parce que son passage ne peut pas être accepté que par le chef de l'État. Non. Son passage au-delà du chef de l'État est approuvé par ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense. Alors, si tu es du grade de général de corps d'armée, quelqu'un qui porte 4 étoiles sur les épaules, pour passer au grade supérieur, ça, donc au grade de général d'armée, tu attendras 4 ans dans la loi. 4 ans, c'est obligatoire, tu attends. À la 5e année, on analyse son dossier. Si ta conduite, ton avancement est bon, est exemplaire, etc., etc. Donc, on procède à l'élévation de ton grade supérieur. Très bien. Donc voilà comment on le dit, la situation d'avancement des grades dans l'armée qui répond à 2 critères. 1, le critère de la durée. Le critère de la durée est codifié, est noté, est clair et précis. Le critère de la notation sur le tableau d'avancement, lui aussi il est précis. Il prend compte du comportement individuel de chaque soldat, donc du comportement de chaque soldat. Donc pour ne pas qu'on mette au grade supérieur quelqu'un qui est un délinquant, quelqu'un qui est un bandit, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui viole. Donc on ne peut pas. Donc c'est suivi, c'est organisé et à chaque étape on procède. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas depuis le décès du président Lansana Conté. Comme je vous avais dit, Lansana Conté, lui, quand il a pris le pouvoir en 1984, il avait le grade de colonel. Et quand il quittait, il avait le grade de général du corps d'armée. Imaginez, en 24 ans, il a suivi ce qu'on appelle la procédure régulière, normale. Il était chef de l'État. Il pouvait se donner même le grade de général d'armée ou bien de général ou de maréchal. C'est un qui n'existe même plus aujourd'hui. Oui. Donc, il pouvait se donner tout. Mais non, en tant que soldat qui a fait la guerre, qui a fait tout, qui connaît le métier. Mais il a dit non, c'est la procédure qui... Je suis la procédure, je respecte la procédure, je respecte l'institution telle qu'elle est. Donc, c'est comme ça se passe. Mais les autres, comme je dis, quand ils sont arrivés, ils se sont partagés des grades comme des cacahuètes. Donc, tous ces grades-là, demain, un pouvoir normal va venir, il va essayer d'appliquer ce qu'on appelle un règlement au sein on de l'armée, sur... qu'on appelle la rétrogradation. Oui, on va revenir sur ça. Oui, go ahead, vous pouvez continuer parce que j'ai un point ici, une question ici qui concerne uniquement pour ça. Mais en attendant, il faut essayer de finir avec l'élévation. Après, on va passer sur l'autre. Alors là, c'est une question importante. Une autre question importante. Oui. Parce que, comme je le disais tantôt, oui.
Il va falloir que j'achève, n'est-ce pas, un des chapitres que je rappelle aux gens pour qu'on ne passe pas de l'amalgame. Oui. Quand je parlais tout à l'heure des officiers généraux, j'avais dit que les officiers généraux, eux, c'est des patrons, ils n'ont pas besoin de notation. Comme on a dit, dans l'avancement, c'est la durée. Oui. Et la notation sur le tableau d'avancement. Oui. Donc, c'est les deux caractères qui permettent à un militaire d'être évalué, d'acquérir ce qu'on appelle un grade supérieur. Mais au niveau des officiers généraux, comme je l'ai dit, ce sont les généraux de brigade, généraux de division, généraux du corps d'armée et généraux d'armée. Il faut savoir que ça concerne toutes les autres catégories de l'armée. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'armée, c'est l'armée de terre, l'armée de mer et l'armée de l'air. Oui. Donc, ça concerne aussi les autres officiers généraux de ces armées. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'armée de mer, vous avez affaire au premier grade de général supérieur qu'on appelle amiral d'escorte. Vous avez le contre-amiral, vous avez le vice-amiral et vous avez aussi l'amiral. Donc, amiral d'escorte, c'est la même catégorie, la même valeur que le général de brigade. Oui. Donc, le contre-amiral, c'est la même valeur, même catégorie que le général de division. Et le vice-amiral, c'est la même catégorie, même valeur que le général du corps d'armée. Ouais. Et l'amiral, lui, c'est la même catégorie, même valeur, même titre que le général d'armée, en ce qui concerne l'armée des terres. Ouais. Et pour l'armée de l'air également, il s'agit du général de brigade aérien, pour l'armée, pour le général de brigade, et le général de division aérien. Ensuite, le général du corps d'armée aérien et le général d'armée aérien. Donc, voyez-vous, donc les nomenclatures sont... J'insiste ça pourquoi? Oui. C'est pour dire que quelles sont les catégories de nomination qui n'appartiennent plus exclusivement dans les mains du seul chef de l'État, oui. Président de la République. Donc, ce sont les catégories qui existent quand il y a appréciation préalable de ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense. Oui. Donc, ce qui est valable pour l'armée des terres, l'est pour l'armée de l'air et il est également pour l'armée des terres. Donc, c'est la précision que je voulais apporter avant de parachever cette première question, s'il n'y a pas de questions à poser, ou rattraper la troisième que vous voulez de dire, c'est-à-dire sur le sort réservé. Sur le sort réservé. Aux militaires. Aux militaires. Yeah, par affinité, c'est-à-dire nommé, gradé par affinité, par favoritisme et par ethnocentrisme, c'est-à-dire tu es sous-sous, il faut l'avancer. Tu es Peul ou Malinké, il faut l'avancer sans passer, c'est-à-dire sans l'évolution normale de l'armée. À ce niveau, M. Camara, il y a deux situations qu'il faut faire la part des choses. Oui. La première situation, c'est quoi? Oui. C'est qu'il y a au sein de notre armée des gens qui ont été nommés par favoritisme. Oui. Par communautarisme, par parenté. Vous comprenez? Ça, c'est le premier dossier qu'il faut prendre. Oui. Qu'il faut prendre en considération. Ce sont des catégories qu'on a vues venir dès après la fin du règne du président général Lansana Conté. Oui. Parce que Lansana Conté, tu peux tout dire, mais tu ne peux pas dire que sa garde présidentielle était monocolore. Non. La garde présidentielle, c'est-à-dire ce qui assure la protection immédiate. Et ce qui assure la protection rapprochée du président était multicolore. C'est la Guinée qui était là. C'était un emballage de plusieurs ethnies. Oui. Il y avait des Soussous, des Malinkés, oui. Des forestiers. Il y avait toutes les catégories de peuples, toutes les catégories sociales de notre pays. C'est-à-dire la Guinée. Dans cette armée-là. Oui. Pourquoi je prends l'exemple sur cette armée? Parce qu'on dit que c'est l'armée la plus proche de la sécurité de la vie du président de la République. Donc c'est le meilleur exemple qu'il faut donner. Je ne te donne même pas l'exemple des camps, ce qui existe au niveau des camps, ou de l'exemple des recrutements. Parce que des recrutements, comme on le dit, comment ça se passait, etc., etc. Je ne voulais même pas rentrer dans ça. Donc, les gens qui ont bénéficié de cet avantage-là, par les fibres ethniques-là, ou par des fibres communautaires, ils ont leur part à trancher à la fin de la sauge. Mais il y a aussi d'autres catégories, la deuxième catégorie. Il s'agit des soldats qui se sont dotés de ce courage-là pour s'autograder. C'est-à-dire, mis de rien, aujourd'hui, vous dormez avec lui, il est lieutenant, demain, tu le vois parcourir dans la cité avec le grade de commandant. Yeah. Mine de rien. Mine de rien. Il décide lui-même, il s'autograde. Yeah. Il cherche le grade, il met sur lui. Or,
comme on le dit, le bénéfice de tout grade est calculé. Et il dépend de ce qu'on appelle de la dépense du budget, donc du contribuable guinéen. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on avance en grade, il y a toujours une répercussion sur le salaire, sur les primes, etc., etc. Donc, la première catégorie, pour aller vite, les gens qui font ce qu'on appelle ces bêtises-là, nommer ses parents parce qu'ils sont de même ethnie que vous, etc., etc., les violer, les faire violer ce qu'on appelle tous ces principes que nous venons d'évoquer là, le principe de la notation sur le tableau d'avancement et le principe de la durée d'avancement dans le grade, ils violent tout ça, ils ferment les yeux, ils violent tout ça. Ces gens-là, il faut assister à ce qu'on appelle à l'application d'un principe au sein de l'armée qu'on appelle la rétrogradation. Pur et simple. Un jour, leur commandant de compagnie ou leur commandant de truc va demander, va saisir le truc et va. Ce sont les officiers qu'il faut les extraire obligatoirement et retourner à leur carte de départ. C'est-à-dire que si vous êtes rentré de quelle année, on vous retourne. Il n'y a même pas de bavure dans ça. C'est une explication juridique. C'est un test qui va être respecté parce que l'armée, ce n'est pas la pagaille. L'armée, c'est une institution. Ouais. Pour les deuxièmes cas, ceux qui se sont autogradés, on est très loin d'un cadre familier ici. Ici, on est dans ce qu'on appelle une tentative d'un autre empoisonnement qu'on appelle la rébellion, l'usurpation de grade ou l'insubordination. La rébellion, l'usurpation de grade ou l'insubordination. C'est-à-dire que toi, tu décides, tu dors capitaine, demain, tu te retrouves général. Mais ça, c'est qui l'a donné ça? Qui t'a donné ça? Donc ça s'appelle la rébellion, c'est-à-dire que tu t'es rebellé. C'est-à-dire un rebelle contre une institution. Donc c'est quelqu'un qui va à l'encontre de la loi, de la règle. C'est un rebelle. Tu as usurpé, tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Hein? Tu as fait de l'indiscipline. Hein? Tu as fait de l'insubordination. Donc, tu n'as même pas respecté tes chefs hiérarchiques. C'est toi-même qui t'es doté de ça. Donc, ces deux catégories-là, il faut. Le chef, le commandant de compagnie, doit faire un rapport au moment venu. Il adresse ce qu'on appelle au niveau. Il s'agit de ce qu'on appelle. Il arrête le tribunal militaire. Qui peut décider, si l'affaire peut être décidée au niveau du tribunal militaire, ou bien si ça peut être décidé en pénal. Parce que ça, c'est une catégorie de choses qu'il faut traiter en matière pénale. Et vous voyez combien de fois c'est dangereux qu'un soldat puisse se munir de quelque chose qui ne l'appartient pas. Donc, ce sont des mesures qui sont prévues que normalement, le moment venu, les gens vont essayer d'appliquer pur et simple. Parce que si on n'applique pas, c'est la République qui sera en deuil. Je dis bien, la République sera en deuil. Pourquoi? Parce que si, et seulement si, un pouvoir normal qui va venir, il ne veille pas à ce que le respect soit pris dans ce sens-là, oui. Demain, une autre ethnie va venir au pouvoir, il va nommer que ses parents. Après, demain, une autre ethnie va venir, c'est-à-dire les soussous vont venir, ils vont nommer que leurs parents. Ils ont dit oui, quand les autres étaient là, ils ont fait la même chose. Donc, comme je l'ai dit, la République, c'est au-dessus de tout le monde. La République, c'est pour tout le monde. La République, c'est pas pour les manichés, c'est pas pour un soussou, c'est pas pour un peuple, c'est pas pour un forestier. La République, c'est pour tout le monde. Dès l'instant que vous avez accepté d'intégrer dans un corps ou dans une corporation, vous devez accepter vivre avec les règles de cette corporation-là. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui chef, caporal chef, et en 8 mois, vous vous retrouvez commandant. Mais caporal chef, sergent chef, adjudant chef, major, sous-lieutenant. Hein? Aspirant sous le temps. C'est vraiment inexplicable, mon commandant, frère. Mais c'est quoi? Normalement, vous devez passer 20 ans pour arriver à ça. Vous n'avez fait que 9 mois. Mais c'est une bêtise. La République même n'accepte pas ça. C'est une insulte même pour la nation. République, c'est une insulte pour la République. La République, elle est fatiguée de voir ça. Les gens comme les présidents, je ne les appelle pas présidents. Tout le respect que j'ai pour eux, ils ne sont pas présidents. D'ailleurs, il y en a qui ont volé les élections. Donc, eux, ils ne méritent même pas ce titre-là. Ils n'ont plus dignité d'être appelés chefs de l'État. Tous ceux qui ont volé les élections, tous ceux qui ont triché, tous ceux qui sont élus par coup d'État, ils ne sont pas appelés présidents de la République. Non, pas parce qu'un président de la République, c'est lui qui reçoit le suffrage universel des peuples. Oui. C'est lui-là qui est appelé président de la République. Bien sûr. Donc, moi, je n'appelle pas ces gens-là président de la République. J'appelle les rebelles à tous ceux qui ont violé. Oui. À tous ceux qui ont violé de se rattraper maintenant avant que le temps ne vienne. Parce que le temps va venir. Le temps va venir.
Excusez-moi de hausser maintenant le ton. Le temps va venir parce que jusqu'à présent, on était dans le doux-doux là. On va changer un peu le ton. On va se mettre dans notre propre peau. Oui. Le temps va venir. Tous ces gens-là seront chicotés. Parce que la République n'est pas quelque chose avec laquelle on peut blaguer. La République, c'est pour tout le monde. On le fait pour les générations qui sont là et celles qui viennent, et celles qui viendront. Donc, si tu es général, tu dois veiller scrupuleusement à ce que les décisions militaires soient appliquées. C'est pourquoi on a mis le Conseil supérieur de la magistrature. Un président de la République qui nomme les généraux comme ça par fantaisie, sans consulter le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur de la défense, c'est un faux trip. C'est un faux décret. C'est des décrets qui sont nuls et de nul effet. Donc, voyez-vous, ce sont des trucs qui violent un peu la réglementation du code qu'on appelle le code de l'armée. Il existe le code de l'armée, c'est pourquoi il y a un tribunal militaire. La loi te dit qu'après tout, si le tribunal militaire se sent incompétent, on peut trancher cette affaire en matière pénale. Donc ça peut revenir au niveau des tribunaux communs pour que ça soit tranché. Parce que la loi est impardonnable par rapport à ces comportements-là. Yep. Vous nommez vos parents, c'est une sale affaire, c'est une bêtise. Ça ne peut pas évoluer parce que vous avez violé les principes de l'armée. Tes parents, vous les avez fait rentrer dans l'armée, ils n'ont même pas fait 2 ans, 5 ans, ils ont avancé. Ils n'ont pas fait 4 ans, 7 ans, vous les avez fait avancer. Ils n'ont fait aucune durée, vous les avez fait avancer. Vous les prenez en caporal-chef, demain vous les retrouvez en colonel. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et des gens qui nomment des grades de manière bête, des fantaisies, là, comme ils en avaient fait auparavant sur les autres corporations qui ne sont pas militaires, comme la gendarmerie. Ouais. Les gens qui nomment des chefs là, des chefs d'armée, alors que la gendarmerie se limite à la division, et même ça c'est difficile, parce que comme je vous avais dit, le corps d'armée c'est au moins 100 000 personnes. 100 000 personnes. Donc les gens qui nomment par fantaisie, vous devez savoir que vous agissiez en toute illégalité. Et demain, quand la chose va venir, quand ça va tomber sur vos têtes, vous ne serez pas étonné. Parce que tout sera rétrogradé, tout sera revu. La République sera corrigée et ça va remarcher au point zéro. Très bien. Donc bien. C'est la réponse qu'il faut apporter à cette troisième question. Bien, on va souffler un peu. Le libérateur, partagez au maximum dans le groupe, c'est intéressant. Merci Jean, j'ai ta question ici. Après ma quatrième question, à la fin, je vais demander à notre invité de répondre un peu à ça, de revenir à ça un peu par rapport à ce que vous venez de demander. Il n'y a aucun problème. Monsieur Touré, ma quatrième question est de savoir. Quelles sont les personnalités qui sont habilitées à attribuer des grades dans les services de défense et de sécurité? Ok. Dans les services de défense et de sécurité. Oui. Quelles sont les personnalités? Je pense que cette question... qui sont habilitées à attribuer des grades dans les services de sécurité et de la défense. Ok, donc on va un peu, parce que la question elle est un peu vague, on va la ceinturer au niveau de l'armée. Oui. Parce que je ne peux pas parler à la fois de l'armée et des services de sécurité et de défense. Parce que si je parle comme ça, c'est à la fois et pour l'armée, c'est-à-dire armée de l'air, armée de terre, armée de mer, mais aussi la police, la gendarmerie et même la douane. Oui. Donc, parce que tout ça, ça veille, ils veillent, tous ces hommes-là veillent pour la sécurité, soit de notre économie. Ça, c'est le rôle de la douane, soit de la sécurité des citoyens, ça, c'est le rôle de la police, soit de la santé de la loi, ça, c'est le rôle de la gendarme, des gendarmes ou de la gendarmerie. Oui. C'est pourquoi on a dit que la gendarmerie, c'est un corps pilote qui est à la fois un pont entre les civils et les militaires. Oui. C'est l'objet pour lequel, la gendarmerie a été créée en France. Si vous remarquez bien, il n'y a pas de gendarmerie aux États-Unis, non. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de ça. Non. Ils ont bien compris que la police peut assurer la sécurité des citoyens, oui. Point barre, et ils continuent autre chose. Donc, les personnalités qui sont au niveau de la défense, qui sont habilitées à procéder à ce rôle-là, d'élévation en grade supérieur des soldats, sont premièrement le chef d'état-major particulier.
le chef d'état-major particulier, lui, il gratifie un simple avancement à partir d'une simple décision. C'est-à-dire qu'il s'agit des soldats de deuxième classe, de première classe. Son rôle est limité là-bas. Après, c'est le chef d'état-major général qui peut assurer ce qu'on appelle l'avancement du grade au niveau des caporaux et caporaux-chefs. Donc voilà. Au niveau des sous-officiers, oui. Des sous-officiers subalternes, c'est-à-dire des sergents, sergents-chefs, adjudants-chefs, n'est-ce pas, majors, tous ces gens-là, ils sont nommés par ce qu'on appelle les ministres de la Défense nationale, par voie d'arrêté. Donc le ministre de la Défense nationale, il prend l'arrêté, il nomme ces gens-là, il élève au grade supérieur ces différentes catégories-là. Ensuite, tout ce qui n'est pas du domaine du ministre de la Défense nationale relève donc du domaine du président de la République. Donc le président de la République commence à partir des grades supérieurs, c'est-à-dire des sous-lieutenants-là, le lieutenant, le capitaine, le commandant, le lieutenant-colonel, n'est-ce pas, le colonel. Exclusivement, le président de la République prend par voie de décret, il procède à l'élévation en grade supérieur de ces personnalités-là. Vous comprenez? Oui. Je n'ai pas dit général parce que pourquoi je l'ai dit, je fais attention, je mets un pont pour les généraux, comme je vous avais parlé tout à l'heure, oui. De la procédure de nomination d'un général d'armée. Parce que l'armée, dans l'armée, on dit que ce sont des hautes dignités, c'est des postes de haute dignité de l'État. Oui. Donc ce n'est pas une seule personne qui doit blaguer avec ça. Donc le président de la République démarre à partir des sous-lieutenants, lieutenants, du capitaine, du commandant, du lieutenant-colonel, du colonel, et puis son pouvoir exclusif se limite là-bas. Pour les autres, c'est-à-dire les officiers généraux, le général de brigade, le général du corps d'armée, le général de division, le général du corps d'armée et le général d'armée, ils ne sont nommés que après avis du Conseil supérieur de la défense. De la défense. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts. Les pays ont des intérêts. Les pays ont besoin, n'est-ce pas, de se protéger. On ne peut pas nommer n'importe qui là-bas. Premièrement, il appartient à un officier qui a des connaissances larges sur les dossiers, qui connaît vraiment l'hiérarchie militaire, qui connaît bien, qui a fait toutes ces formations-là pour arriver à ce stade-là. Donc, c'est un officier, il n'est pas dit que ça doit être ton parent, non. Comme je l'ai dit, c'est noté dans l'évolution en termes de tableau d'avancement et en termes de la durée de grade. C'est pour cela que le président de la République, quand c'est comme ça, tu es obligé, tenu obligé de respecter ça pour ne pas passer outre. Donc quand il s'agit de nommer des généraux, généraux de brigade, généraux de division, généraux du corps d'armée, généraux et le général d'armée, on procède par avis du Conseil supérieur de la défense, on les demande, on les consulte, chacun note et chacun vote. Ce n'est qu'après ce vote-là que le président peut entériner la décision de voter ou bien de nommer telle personne. Si le président doit nommer Malik, il va dire oui. J'ai eu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Malik était du grade du général de division, donc il avait trois galons et trois étoiles. Il va passer maintenant au grade du général de corps d'armée. Il va passer au grade de quatre étoiles. Donc, un général de corps d'armée, il a quatre étoiles, donc il est bon voir dans quatre étoiles. Ce n'est pas lui seul qui a pris la décision. Ce sont les représentants de l'État, donc des institutions de l'État, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, ensuite des hautes dignitaires de l'armée, donc des anciens militaires qui sont dans le circuit là, qui ont servi loyalement le pays. Ce sont tous ces gens-là qui décident pour la nomination en grade supérieur d'un général. Très bien. Donc voilà, et un gars qui te dit, comme on l'a entendu dans les procès, ah mais moi, c'est moi-même qui ai nommé tel, c'est moi-même qui ai donné tel grade à telle chose, ça c'est des bêtises, c'est ce que je disais là. Ouais. Parce que soit tu es chef d'état-major général, ou bien chef d'état-major particulier, ou bien ministre de la Défense nationale, ou bien président de la République. Mais tu n'es ni l'un ni l'autre. Comment tu peux dire que c'est toi qui as donné des grades aux gens? Est-ce que tu comprends comment ce grade la gravité de ce que tu es en train de dire? Comment tu peux dire que tu peux oser être devant un tribunal? Oui, criminel. Un tribunal qui siège en matière pénale, les bêtises la passent, personne ne peut alerter pour dire. Mais ça, c'est grave. C'est pourquoi j'ai déploré le fait que dans ce tribunal, malheureusement, il n'y a pas ce qu'on appelle les assesseurs militaires, c'est-à-dire des instructeurs militaires qui connaissent les dossiers de l'armée, qui peuvent en aucun cas accepter que quelqu'un raconte des bêtises devant la barre. Oui. Donc si tel est le cas, on peut avancer. Mais on constate malheureusement que tel n'est pas le cas. Donc il sera difficile de prouver ou bien de voir ce qui passe réellement, ce qui s'est exactement passé, parce qu'on ne connaît pas ce qu'on appelle, on ne maîtrise pas les jargons militaires. On ne maîtrise pas l'environnement militaire. Non. Donc des gens qui savent, qui ont la dose de comprendre comment ça fonctionne,
Ce sont ceux-là qui peuvent, que eux seuls qui peuvent vraiment se prononcer sur les dossiers de l'armée. Donc quiconque vous dit, c'est moi qui ai nommé tel, ou bien c'est moi qui ai donné tel gratuit à tel, c'est des bêtises. Donc, c'est comme ça, l'armée est structurée, il y a des personnalités qui sont habilitées, et même le président de la République, comme je l'ai dit, son rôle est limité. Oui. Pour la nomination des généraux, je vous ai dit, c'est pas sa seule main qui passe. Il faut qu'il consulte le conseil. Il faut qu'il patiente, il demande l'avis des autres. Oui. Parce qu'on est dans la République. La République, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui va se prononcer. Oui. Avant que le président de la République n'entende cette décision. Oui. Donc, c'est pour cela que c'est regrettable aujourd'hui de voir un gars, un malien d'origine ou quoi, malien de quoi, à la tête de notre, de chef d'état-major général de l'armée. Est-ce que les gens savent ce que c'est le chef d'état-major général d'un pays? Non, monsieur Malik, il faut savoir, il faut informer. Le chef d'état-major général de l'armée d'un pays, ça veut dire quoi? C'est l'auxiliaire direct du président de la République. L'auxiliaire direct du président de la République. Mais en quel temps? En temps de guerre. C'est-à-dire que si et seulement si demain la Guinée est en guerre contre un pays, là, contre le Mali ou bien la Sierra Leone ou bien un autre pays, etc., etc., le président de la République déclare l'état de guerre là et directement le pouvoir passe des mains des civils pour être dans les mains des militaires, donc du chef d'état-major général de l'armée. C'est lui qui pilote. C'est pour cela que dans l'armée, on exige à ce que les officiers supérieurs apprennent, passent des formations, notamment le cours d'état-major. Parce qu'arriver là-bas, le cours qu'un capitaine fait, le cours d'état-major, il te permet de savoir quelles sont les informations socio-économiques et culturelles du pays, même politiques, pour que tu saches combien ton pays a en matière de ses sols et de ses ressources, combien le pays gagne par an, quel est son PIB, c'est-à-dire son produit intérieur brut. Le capitaine, il fait ce cours d'état-major, c'est pour connaître l'ensemble de ces secrets-là. Tu ne peux pas être l'aide de camp d'un président de la République sans que tu n'as pas fait ce cours-là. Le cours d'état-major, c'est un cours qui est très important. Partout ça se fait, même en Europe, même aux États-Unis. Mais l'objectif, pour qu'on le fait, pour les Européens, pour les Occidentaux, c'est pour préparer le pays en cas de catastrophe naturelle, ce qu'on appelle l'état de catastrophe naturelle ou l'état de siège, ou voilà, quand il y a un séisme, par exemple, qui frappe le pays, on dit que les civils sont en panique, tout le monde cherche sa tête, on dit à l'armée, ok, prenez le contrôle du pays. Mais pour que l'armée prenne le contrôle du pays, il faut que les responsables de l'État et de l'armée soient instruits, qu'ils soient informés comment l'État fonctionne, comment l'économie de l'État fonctionne, oui. Comment le social fonctionne, comment la politique fonctionne. Donc c'est pour préparer. En Europe, il y a une loi qu'on appelle la loi martiale. Dès que vous rentrez en guerre contre un autre pays, ou bien il y a des situations qui arrivent, là, des situations qu'on appelle des situations d'exception, on donne le pouvoir directement au chef d'état-major général de ces pays-là pour guider jusqu'à ce que la paix soit revenue. Après, on transfère encore le pouvoir dans les mains du civil qui était là, qui exerçait. C'est comme ça se passe. Mais en Afrique, lorsque les officiers apprennent le cours-là, on va revenir dessus, ils apprennent ce qu'on a à faire, la tactique de coup d'État, peut-être. Pour eux, peut-être qu'ils ont pris beaucoup d'informations et ça les retient. Ce n'est pas pour faire des coups d'État, ces cours-là. C'est pour vous psychologiquement apprendre la gestion du pays une fois que le pays est dans le pétrin. Oui. Donc, parce que la loi dit qu'on va vous remettre, transférer le pouvoir pour un instant. Donc, je dis tout ça, pourquoi? Donc, c'est pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nommer les gens qui sont d'origine étrangère à ces postes-là. Non. Si tu es américain de père et de mère, on peut te nommer là-bas. Parce que demain, si ça ne va pas, c'est toi qui vas conduire la politique américaine. Oui. Mais, si tu es que de père, tu n'es pas de. Donc, on ne peut pas, parce que si ton l'intérêt du pays est partagé contre un autre intérêt d'un autre pays, toi, tu n'es pas habilité à être ni le chef d'état-major général de l'armée, ni l'officier général, c'est-à-dire général de brigade, général de corps d'armée, général de division, réserve, corps d'armée, général d'armée. Donc voilà, c'est pourquoi la loi militaire se protège. Elle a créé en son sein un conseil supérieur, ce qu'on appelle de défense, conseil supérieur. C'est ce conseil-là qui réfléchit sur la voie à suivre, sur les termes militaires, la conduite à tenir quand il y a des situations comme ça, pour ne pas faire n'importe comment. Donc voilà, depuis la fin du règne de Conti, on n'a assisté que des pagailles. Les hommes qui sont venus, ils ont fait que des pagailles. Mais que des pagailles. Mais si demain la Guinée, quelque chose va arriver, comment on va? Le pays va se retrouver dans les mains de qui? Tu vois? Voilà ce qui va se passer. C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités. Très bien. Pour mettre fin à toutes ces pagailles-là, à tous ces tourbouilles-là, pour prendre vraiment la conduite du pays. Bien. C'est très important, c'est ce que je vous dis. C'est un message, mais il est fort. Très bien. Alors,
la vidéo. Partager la vidéo, c'est très important. Cette vidéo, elle est instructive. Surtout d'ailleurs en ce qui concerne le fonctionnement de notre armée aujourd'hui, c'est de la pagaille. Complètement foutue, chiffonnée. Très bien, Monsieur Touré, ma cinquième question. Pouvez-vous nous parler des cycles de formation dans l'armée? Ah, les cycles de formation dans l'armée. Oui. Vous savez, dans l'armée, tout problème commence par dire que l'armée est une institution. Comme je l'ai dit au départ, puisque l'armée est une institution, l'armée a sa nomenclature, donc sa structure. Oui. L'armée a son commandement, son mode de commandement, donc les chefs hiérarchiques. L'armée a son fonctionnement, elle a des règles, elle a des principes. Donc l'armée a des outils qu'on appelle la formation. Parce que pour que le soldat puisse servir, il faut qu'il soit bien servi. S'il n'est pas bien servi, il ne peut pas servir. C'est ça la vérité. Pratiquement donc, impossible. Oui. Rapidement, oui. Les différentes formations que je puisse vous donner, je fais une synthèse des formations parce que je ne peux pas vous dire tout. Oui. La première des choses à faire, quand vous êtes de la catégorie numéro 1, c'est-à-dire quand vous venez d'arriver au sein de l'armée, oui. On vous appelle ce qu'on appelle les soldats de deuxième classe, première classe, etc. etc. Oui. Caporal, caporal chef, vous êtes dans cette catégorie, c'est des catégories d'initiation, d'apprentissage. Vous faites ce qu'on appelle une formation qu'on appelle la FETA, la formation élémentaire de toute arme. En Guinée, cette FETA est appelée commune de base, la commune de base. Donc on fait envoyer tout le monde pour suivre ce qu'on appelle les premières informations et les premières formations, parce qu'il y a l'information et il y a la formation dans cette catégorie. Ouais. On vous informe pourquoi vous êtes venu, on vous forme pour pourquoi vous êtes là. Donc dans cette catégorie-là, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Et c'est là qu'on apprend aux gens là-bas, en Guinée, à faire ce qu'on appelle la technique de tir. Il y a même une appellation qui fait partie de mon nom, ça dit TIST, ça dit tir, instruction sur tir. Oui. Il y a ce qu'on appelle tir, instruction sur tir. Ton nom est grave là, parce que. Mais aux États-Unis, tout le monde fait ça, les privés, vous payez les trucs, vous allez vous former là-bas pour apprendre comment faire le tir, etc. Yeah. Donc, c'est à cette étape qu'on fait les tirs, instruction sur tir. Vous avez ce qu'on appelle d'autres grandes formations qu'on pratique au sein de cette première structure-là, tant que vous êtes dans l'évaluation de la FETA, c'est-à-dire la formation élémentaire de toute arme, c'est le GRT, le guide de raisonnement tactique. C'est-à-dire quand vous allez sur le terrain, comment vous allez vous conduire, comment vous allez vous cacher de votre ennemi, de quelle position vous allez mettre pour tirer sur votre cible, n'est-ce pas? Il y a toutes ces formations. Vous avez la topo. La topo aussi, c'est des formations géographiques en général, physiques et géographiques, qui vous permettent de recalculer ce qu'on appelle les degrés, non seulement en longitude, mais aussi en latitude. Vous savez, ce sont les degrés exprimés en latitude et en longitude pour repérer ce qu'on appelle un point. Généralement, les soldats, ils le font pour chercher ce qu'on appelle les trois nords. Vous savez, on dit les trois nords, c'est chercher les trois nords. D'abord, le nord géographique, le nord magnétique et le nord lambert, c'est-à-dire que quand vous mettez dans un coin, comment vous retrouvez vite votre direction à partir de votre GPS. Donc vous faites cette formation de topographie là pour connaître comment vous allez vous débrouiller tout seul pour s'en sortir. Donc il y a toutes ces formations qui sont faites au niveau de cette catégorie là. Après vous faites votre CAT1, hein, vous obtenez votre certificat d'aptitude de premier degré, technique de premier degré. Et vous passez au grade supérieur. Vous avez aussi une troisième formation que vous allez faire pour obtenir votre CATD, c'est le certificat d'aptitude technique de deuxième degré. Après, si vous voulez avancer, parce que c'est une carrière, hein, les CATD appartiennent aux sergents, par exemple. Si vous voulez avancer, vous allez être sergent-chef, aspirant, lieutenant, etc., etc. Vous faites ce qu'on appelle les cours d'application. Les cours d'application, c'est l'ensemble de ce que vous répétez l'ensemble, mais on vous intègre vraiment ce que c'est le corps, le métier dans lequel vous êtes. Donc on vous donne ces informations-là. Après, vous faites ce qu'on appelle une autre formation qu'on appelle le CPO. Le CPO, c'est très important. C'est le cours de perfectionnement d'officier. Normalement, si vous n'avez pas fait ce cours, c'est comme si vous n'avez rien fait. Le CPO. Parce qu'il vous permet de vous faire perfectionner, de retenir l'essentiel de tout ce que vous avez appris en matière de la,
comme je vous dis tout ça, tout simplement, les formations comme le GRT, le TOPO, c'est des formations qu'on fait à toutes les étapes. Donc, c'est pourquoi les CPO, là, ça permet aux gens de se perfectionner davantage. Après, vous avez une formation qu'on appelle, qui est très très importante aussi, qui est très très importante, mm-hmm. qu'on appelle le cours d'état-major. Le cours d'état-major. Oui. Comme je l'ai dit tout simplement, le cours d'état-major, c'est fait pour des gens qui veulent quitter du grade de capitaine pour être commandant. Donc, à ces gens-là, on leur donne toutes les informations, et même des informations secrètes du pays. Comment est le pays, comment est son sol, comment est son sous-sol, on prépare le soldat pour demain. Quand j'ai demain, ça devient un gros point d'interrogation. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On le prépare. Oui. Donc, une fois que tu as appris ce cours-là, tu deviens un soldat aguerri. Ça veut dire que normalement, le jour où ça ne va pas dans le pays, toi-même, tu peux prendre la relève, tu peux conduire le pays. Parce que à partir de l'instant que tu as bien eu ton cours et tu as bien été apprécié, tu peux vraiment conduire les destinées du pays sans problème. Mais il n'est pas fait pour ça. Parce que sinon, c'est des cours qui existent même dans les États où vous êtes là, aux États-Unis, où tout le monde est là, en Europe, tout ça. Mais, comme on dit, l'État, il faut préparer l'État. Il faut préparer l'État sur toutes les éventualités. Donc, un cas de tremblement de terre va venir, un cas de vent violent, ce qu'on appelle des ouragans, ça peut venir, ça peut faire des dégâts. Et les civils peuvent même, bon, voilà. Et quelle est la personne qui va conduire l'État? On dit ça, c'est le soldat. Puisque l'État, le gouvernement a déjà signé l'État martial, tous les ministres, ils vont avoir, ils sont déjà sous le lit, ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Donc, on donne la destinée du pays aux militaires. Mais il faut qu'éventuellement, que ces militaires soient formés par ces cours-là. Oui. Vous comprenez? C'est très important. Donc, vous avez aussi un autre cours, une autre formation qu'on appelle le CID, le cours inter-armée. Le cours inter-armée, il est fait pour des gens qui veulent quitter ce qu'on appelle du grade de commandant pour être dans le grade de colonel. Ouais, donc, ça, on vous perfectionne pour être aguerri comme soldat, averti, qui connaît tout, toute la culture, tout le bagage. Donc, vous êtes doté d'un grand, immense bagage. Ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un de prêt. Comme on dit, le soldat, vous êtes vraiment quelqu'un de prêt à répondre en toutes circonstances et en tout lieu sur toutes les demandes éventuellement que le pays va se voir affronter. Donc voilà. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les séminaires de conférences internationaux. C'est fait pour les généraux. Parce qu'on dit que les généraux A ne font pas de formation. Mais les généraux A, ils participent à l'étranger avec leurs collègues étrangers pour faire ce qu'on appelle pour échanger. À travers les conférences internationales, à travers les séminaires internationaux, etc., etc. Donc voilà pourquoi l'armée, quand tu es militaire, tu es habilité à faire ça, ce cycle-là. Pourquoi? C'est pour savoir la tenue que tu portes, elle est le fruit de l'impôt, donc du contribuable. Les gens que tu sers, c'est ça les fruits, c'est eux qui t'ont mandaté pour ça. Pourquoi tu fais ce travail? Tu le fais pour le peuple, pour la République. Donc si quelqu'un qui n'a pas fait ça, malheureusement, comme c'est le cas de Toumbala, qui n'ont fait aucune formation, mais je vous dis aucune, ils n'ont même pas leur CAT1, ils n'ont même pas leur CAT2, ils n'ont rien, ils n'ont pas de cours d'application, ils n'ont pas de CPO, de cours de fait fonctionnement d'officier, ils n'ont rien, ils n'ont pas de cours inter-armes, les cours inter-armées, ils n'ont pas ça, les CID, ils n'ont rien. Comment tu peux donner des grades de commandant à ces gens-là? Non. Est-ce qu'ils connaissent sa mission? Non. Et ils sont nombreux dans l'armée. Beaucoup même. C'est pour ça qu'ils sont nombreux dans ça. Yep. Parce qu'on leur a donné cette aisance-là, familiale, pour dire oui, c'est notre tour, entre guillemets, notre tour. C'est-à-dire chez nous, d'ailleurs. C'est dans ce pays-là qui entend des bêtises. Là, chez nous, d'ailleurs, quand tu es violent seulement, on te balance les grades rapidement. Parce que tu deviens une féroce envers eux, on te balance les grades sans calcul, rien. Go ahead, vous pouvez continuer. Donc, on vous dit que pour avoir des grades, comme je l'ai dit sur le tableau de notation, on tient compte de tout ça, ton niveau de formation, etc., ta conduite perso, ta valeur sociale, on tient compte de tout ça. Oui. Ce sont des chefs des unités, ces chefs de compagnie là, qui rendent compte, n'est-ce pas, au commandant, donc au chef du corps.
Donc le chef du corps, il a l'information globale de tous les militaires, il connaît tout, qui va être avancé, qui va être avancé demain, qui ne va pas être avancé demain, etc., etc. Donc tout ce circuit-là est surveillé, comme pour vous dire que l'armée c'est une institution. Mais le fait de mettre des brebis galeuses dans l'armée, le fait de mettre des gens qui se trompent complètement de leur chemin dans l'armée, ça fait que ça complique le chemin. Ça devient donc un problème de fantaisie, de bêtise, une situation que normalement il faut vraiment corriger. Sinon, ça ne va pas. Et même la procédure de recrutement aujourd'hui, éventuellement, il faut l'ajouter. Et sujet à ta question, parce que tout simplement, nous sommes une armée, pas une armée de guerre, parce qu'il n'y a plus de guerre aujourd'hui. Nous sommes une armée, pas une armée de combattantes, non. Aujourd'hui, nous sommes une armée de surveillance. Pourquoi et pour quelle nécessité on va se précipiter pour faire des recrutements? Si ce n'est pas pour mettre des cousins, des cousines, des familles ou des communautés, etc. dans l'armée. Il faut éviter ça. Quel est notre effectif au sein de l'armée? Est-ce qu'on a besoin d'un plus aujourd'hui par rapport à notre économie? Ou notre économie, ou notre éducation est malade, notre santé est inexistante, notre environnement est pollué, on n'a pas de logements sociaux pour les gens. Les gens ne mangent pas bien. Est-ce qu'on a une nécessité vraiment de demander de recrutement? Pourquoi on fait des recrutements? Pourquoi on se focalise pour ça? Est-ce que ce n'est pas une tentative de récupération de pouvoir pour le garder et pour longtemps? Est-ce que ce n'est pas ça? Il y a toutes les suspicions au sein de ça. Des nominations par bêtises là, les attributions des grades, tout ça. C'est un sujet à quoi? Il faut réfléchir. C'est pourquoi l'armée... Elle est en structure en veille. Malheureusement, les gens ne réagissent pas. Mais un jour ou l'autre, les gens seront obligés de réagir pour corriger ce qu'on appelle tous ces tirs qui ont fait défaut. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de questions à soulever quand on parle de l'armée. Parce que dans l'armée, depuis la fin du règne de Conté, tout ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe et comment ça se passe. Quand il y a recrutement, on sait de quel niveau de recrutement est basé. 80% ça vient de quel côté, on sait ça. Les 20% c'est partagé de quel autre côté. Comment les grades sont attribués, on sait, c'est par relation, comment dire, ethnique, affinité, whatever. Par les affinités, les bêtises là. On s'arrête qui font absac à toute règle de la République. On sait que c'est comme ça, malheureusement. Et c'est sur ces cas-là que La Guinée doit s'élever, ou les Guinéens doivent s'élever pour au moins rectifier le tir. Parce qu'un pays qui a une tradition militaire comme la Guinée, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons participé à l'indépendance des pays comme la Guinée-Bissau, l'Angola, on a été en Algérie, on a été au Vietnam, etc., etc. L'armée guinéenne a été propre. Nous avons été considérés comme la deuxième puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest, quand c'est le temps de Conté, etc., etc. Mais aujourd'hui, on est en régression totale. 100% totale. Même, Total. Et on se demande pourquoi les gens continuent encore à faire des recrutements. Vous faites des recrutements pour ajuster à quelque chose qui n'est vraiment pas encore créé comme une institution propre. Parce que là, l'armée a été salie depuis le passage de Alpha Condé. L'armée est devenue quelque chose d'autre. Donc je pense que les frères d'armes, j'appelle frères d'armes parce que je suis quelqu'un, il a fallu peu que je ne prenne mon matricule. J'étais dans ma division, j'étais la division d'air de l'aviation militaire. Donc, je connais tout ce que j'ai dit dans l'armée. J'ai eu mes chefs, ils m'ont bien appris, ils m'ont bien enseigné. Seulement, j'ai fait le choix pour servir mon pays. Parce que toute ma famille est dans l'armée. C'est pourquoi j'ai fait le choix de servir autrement. Cela ne veut pas dire que je ne connais pas l'armée. Je connais les règles de fonctionnement de l'armée. Je connais l'institution, l'armée. Je connais tout dans ce truc-là. Grâce aux connaissances, grâce aux chefs qui nous ont légués, c'est tout ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Mais malheureusement, depuis la fin du règne des Comtés, cette armée est devenue quelque chose d'autre. Donc, il faut récupérer le tir. On ne peut pas accepter que moi, j'ai accepté de venir dans le régiment. Il y a un autre collègue qui est venu après moi, qui se voit aujourd'hui au grade de colonel. Et moi, je suis toujours sergent-chef. Sergent-chef. Parce qu'il faut se dire la vérité. Il y en a qui ont eu combien de grades? En l'espace de moins d'un an, comme un dégât, qui quitte caporal chef jusqu'à commandant. Mais ça, c'est quoi? C'est quelle bêtise, ça? Colonel. En l'espace d'un an. C'est quelle bêtise, ça? Ils sont commandants et les autres sont jusqu'à présent, ils ne sont même pas sergent chef.
ne sont même pas sergents-chefs. C'est une bêtise. Je crois qu'il y a des questions, c'est des bêtises, ça, au sein de l'armée. Ouais. Je crois qu'il faut rectifier le tir. Yeah. Le Conseil supérieur de la défense est là pour ça. Il faut rectifier le tir. Il faut rectifier le tir. Très Il faut sauver le pays quand c'est le moment. Très bien. Il faut sauver le pays quand c'est le moment. Sinon, ce n'est pas bon. Pas du tout. Très bien. Vous avez écouté notre invité, M. Touré. M. Touré, il faut prendre un peu un verre d'eau, souffler un peu, parce que vous avez encore d'autres questions ici avec moi. J'ai la question de mon frère Jean, mais ça va être la dernière question après ma sixième et avant-dernière question, c'est ça. Partagez. Vous expliquez brièvement comment notre armée doit fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand crime aujourd'hui dans notre pays, c'est notre armée. C'est mal structuré. Parce qu'il y en a qui sont gradés par affinité. Leur souhait, c'est d'attaquer la population. C'est pas normal. Une armée doit être républicaine. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont là pour veiller, n'est-ce pas? Quotidiennement, la vie des Guinéens. Mais chez nous, c'est au contraire. Très bien. Monsieur Touré, ma sixième question est de savoir. Parce que, avec M. Alpha Condé, avait toujours dit haut et fort à travers le monde entier qu'il a reçu à faire une réforme au sein du service de la défense et de la sécurité en Guinée. Vu les réalités palpables de l'armée, la police et la gendarmerie, quel est votre avis sur ces réformes? Tant commenté par M. Alpha Condé. Ah ben, je vous remercie, mais vous-même, vous voyez ça. C'est très pratique. C'est très, très pratique. Je vous... avec tout ce que je viens de dire, l'armée qui est une institution. L'armée qui est une institution. Oui. L'armée, c'est regrettable que l'armée ait accepté que Alpha Condé fasse 10 ans. À la tête du pays. C'était regrettable. Près de 11 ans. Aïe. Quelqu'un qui est venu polluer toute l'armée, qui a détruit l'armée. Quelle réforme il a fait? On ne peut pas justifier. Il n'a fait aucune réforme. Tout ce qu'il a fait, on l'a aidé à prendre de l'argent au niveau des Nations Unies pour essayer de, soi-disant, entre guillemets, réformer l'armée. Mais il a fait quoi? Il a fait ça. Il a créé sa propre armée. Et il a abandonné l'armée. La force spéciale. Oui. Oui, il a créé sa propre armée, il a abandonné l'armée nationale. Et non seulement il les a abandonnés, il les a récupérés aussi, les armements et toutes les munitions. Il est parti en Haute-Guinée. Il n'a pas compris la dangerosité du fait qu'il a stocké ces armes-là dans une partie du pays où il fait excessivement chaud. Il n'a pas pris cette dangerosité. Donc il a pris tous nos armements, il a pris toutes les munitions, il est parti les loger entre Sigiri et Cancan, pour dire oui, je vais affaiblir l'armée, comme ça je vais rester, je fais ce que je veux, je peux faire troisième mandat, quatrième mandat, dixième mandat, personne n'est là pour se lever contre moi. Donc voilà, c'était ça. C'était ça son but. Il a affaibli l'armée, il a tué l'armée, il a mis qui qu'il veut, il a mis même les généraux qui sont de la gendarmerie comme généraux du corps d'armée, il a fait des bêtises, il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous comprenez, c'est regrettable aujourd'hui. L'exemple, ça se passe au niveau du tribunal. Quand les soldats parlent, c'est une honte pour la République. Les soi-disant soldats, quand ils parlent, c'est une honte pour la République. Parce que moi, je sais, les vrais soldats, ils ne parlent pas. Les vrais soldats, ils ne parlent pas, c'est la discipline. Donc, Alpha Condé n'a fait aucune réforme pour répondre à votre question. Il a cherché à amadouer les Nations Unies pour avoir de l'argent. Quand il a eu une complicité avec l'ancien ministre Sridhalé, il a pris cet argent-là, il a fait ce qu'il veut. Il a formé sa propre unité et basta. Il a pris les munitions, il est parti les loger dans une partie du pays où il fait chaud.
C'était même mieux de mettre au Fouta. Mais au Fouta, le climat, il est doux. Mais tu peux loger, tu peux loger des munitions dans une partie du pays où il fait chaud. Parce que tout simplement, il a dit, oui, quand l'ancien compte était là, il a pris quelques munitions qu'il a envoyées au niveau de Baronier, là. Donc, une partie de la basse Guinée. Donc, moi aussi, je suis là, je prends les armes, les armements, j'emmène en Haute-Guinée. Il ne faut pas diriger le pays par ce sentiment-là. C'est un sentiment bête, égoïste, ethno-stratégique. C'est un sentiment dangereux. Parce que imaginez, si la Guinée va être attaquée un jour, je ne souhaite pas, comment les soldats vont se débrouiller pour avoir leurs munitions? Vous savez, pour aller à Kankan, Sigiri, tout ça, avec toutes ces difficultés, comment on va faire pour se mener de trucs pour nous défendre? Voilà pourquoi c'est dangereux. C'est dangereux ce qu'il a fait. Sa tête était pourrie en faisant ça. Donc moi, je vous dis, pour passer outre, qu'il n'a fait aucune réforme au sein de l'armée. Il a affaibli l'armée, il a abaissé le niveau de l'armée, il a nommé des gens comme il veut, par pagaille. Et ils ont fait tout ce boulot-là. Regardez, Diané, il est là, l'ancien ministre de la Défense, il est en prison aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que son propre travail s'est retourné contre lui. Voilà, son propre travail s'est retourné contre lui. Merci. Malheureusement, ils ont voulu trahir la République et la République s'est retournée contre lui. Je pense que le colonel Doumbouya doit réfléchir à ce qu'on dit là, parce que c'est très important. On ne peut pas diriger le pays pour son propre gré, non. On dirige le pays parce qu'on a les gens, les semblables avec lesquels on prend les décisions. On ne peut pas diriger le pays par le gré de sa communauté. Il faut se détromper de ça. Les munitions qu'ils ont amenées à Kankan, Sigri, là, ce n'est pas à leur place. D'abord, il fait très chaud là-bas. Et attendez-vous, évitons-nous des catastrophes avec ça. Je sais ce que je dis. Oui. Très bien. Donc, rien n'a été fait. Très bien. Rien n'a été fait, sinon que des bêtises. En nommant les gens comme ça, en l'espace de combien de temps vous nommez les gens par bêtises? Hein? Vous nommez les gens par bêtises, vous nommez les gens, même vous n'avez pas les mêmes effectifs. Je vous avais dit, moi par exemple, je me rends aux États-Unis, on me dit, oui, demain vous venez observer le Conseil supérieur de la défense américaine là-bas, au Pentagone. Je viens, dès que je regarde les galons des gens, si je vois des généraux, des étoiles que j'ai, je peux me dire, oui, mais dans l'armée américaine, à peu près, il y a combien d'effectifs? Parce que les gens sont nommés là-bas en fonction de la structure, en fonction de leur emploi, en fonction de ce qu'ils doivent faire. Tu ne peux pas nommer des généraux dans un pays alors que tu n'as même pas une capacité militaire pour ça. Vous n'avez pas cette capacité, vous nommez beaucoup de généraux. Et mieux, vous nommez des généraux qui ne sont même pas 100% de votre pays. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, tout ce qu'elle va faire, je crois qu'il faut mettre... Il faut reposer cette ardoise-là, effacer complètement, la rectification. Reprendre tout à zéro. Oui. Tout à zéro. Oui. Il l'a fait, il avait quelque chose qu'il avait dans sa tête, c'était de faire ses 10 ans, aller au-delà, affaiblir l'armée, et contre tout ce qu'il va faire, que tout ce qu'il va suivre. Il a fait... Allô? Oui. Il a fait, oui. Parce qu'il avait ses calculs, il savait qu'est-ce qu'il faisait. C'est pourquoi, sur son chemin, il organisait des faux coups d'État pour détruire les journaux qu'il avait trouvés sur place. Il fait des faux coups d'État. Mais tout ce que vous faites là... Pour détruire les hommes effrayants. Pour détruire les officiers des autres ethnies. Oui. Parce que l'attaque du 19, là, c'était des faux coups d'État. Yeah. Il envoie des gens, il tire dans sa propre maison. Après, il prend les officiers qu'il ne veut pas. Parce que tout simplement, on lui a dit, quand tu veux garder le pouvoir longtemps, il faut éliminer tous les pouvoirs, tous les militaires, les hauts militaires qui ne sont pas de ton ethnie. Il ne faut pas faire ça. Parce que le jour où un autre va venir, lui aussi, il va s'en prendre à mais bien sûr. C'est difficile. Oui. C'est bien pire que ça. Tout ce que je dis là, les Bundukas sont au courant. Comment l'attaque du 19 a été préparée? Ils savent ça, les Bundukas, ils sont au courant de ça. Les Idi Amin, ils sont au courant de ça. Actuellement, à Farana, gouverneur, je ne sais pas, mais c'est eux qui sont là à détruire. Ils savent tout. Oui. Ils ont fait ça pour détruire les autres militaires. Certains ont perdu la vie pour rien. Des gens qui ont été formés par la République. L'argent de la République. Ouais. Ils ont été formés pour former des autres. Vous les avez détruits. Ils ont mis certaines personnes, certains témoins, certains gars qui les a servis. Ils les ont mis dans l'hélico entre Guinée et Libéria.
Ils ont exécuté l'hélico là, les gens sont tombés, c'est fini. Ils ont mis la bombe dans la valise. Alpha Condé, il connaît ça. Il connaît comment il a opéré. Oui. Comment il a opéré sa réforme là? Quelle fa? Quelle fa? Oui. Ils savent. Soi-disant, il va rendre compte, il va aller saluer la femme, la présidente de Libéria. Mais c'est quoi ça? Tu envoies une délégation sans le ministre de la Défense, sans le Premier ministre, sans le ministre des Affaires étrangères, sans toi, président de la République. Vous mettez la bombe dans l'hélico des gens pour les exploser là-bas, en plein vol. C'est dangereux ce qu'il a fait à Fakonde. Il a réalisé des films de cinéma en Guinée. Mais comme Dieu a fait, Dieu lui a donné longue vie, c'était pour revoir tout ça. Tout ce qu'il a fait au Guinée, il a fait, il les a bien calqués, il a fait. Mais tout ce qui traîne à ces petits coups ethno-là, pensez à un autre tour. Qui quelqu'un d'autre va venir? Quel sera le sort de vos parents? C'est ça, parce que c'est pour cela qu'il faut rentrer dans la vision complotiste, dans les combines. Il ne faut pas rentrer dans les combines. Si vous rentrez dans les combines, demain, ça va se retourner contre vous. Essayez de gérer le pays dans la transparence. Si tu penses que tu as le pantalon, tu veux être président de la République, il faut te munir de ta formation, de ton diplôme, de tes compétences pour travailler et sortir des gens du gouffre de la pauvreté. Les aider à avoir de meilleurs logements, de bien manger, de bien se déplacer, de bien se soigner. Yeah. N'est-ce pas? D'assurer leur couverture sanitaire, de la sécurité sur le plan du territoire. Quand j'ai dit territoire, je parle du territoire terrestre, du territoire aérien et du territoire maritime. Protéger leur zone économique exclusive pour que les autres navires ne viennent pas prendre les pêches chez nous. Pour aller revendre chez eux. Parce que si on ne protège pas notre mer et notre haute mer, on ne peut pas. Les gens, les autres vont venir s'enrichir chez nous, ils vont les vendre chez nous, on n'a aucun moyen pour sauver notre propre zone maritime. Donc voyez-vous, un président, c'est comme ça, c'est un travail ça. Mais toi, tu fais des combines que pour éliminer les autres qui ne sont pas dans notre ligne. Civil ou militaire, tu fais des petits combines. Donc l'attaque du 18, du 19 février, c'est un faux problème. Alpha Condé le sait, c'est un faux problème. Il l'a fait, c'est pour détruire l'armée. C'est pour davantage détruire l'armée. Hein, l'explosion de l'hélico en vol, c'était du combine. C'était pour tuer tous ceux qui l'ont aidé à faire les trucs là. Donc voilà, tous ceux qui ne sont pas des officiers de sa communauté, il les a éliminés. C'est pas normal. Moi, je parle, je le respecte pour tout le monde. Oh, les Guinéens sont pris au même degré que moi, que mes parents. On est tous Guinéens, Malinqués, Soussoupeul, mais quand il y a quelque chose de mal, il faut le dire. C'est comme ça que vers la fin du règne de Conté, les soucis se sont levés quand ils ont constaté qu'il y avait trop de bêtises. Ils ont combattu le règne de Conté à la fin. Ils ont dit, parce que eux, ils sont démocrates. Mais si vous, les autres, ils sont communautaristes, ça ne peut pas marcher dans une république. Non. Ça ne peut pas marcher. C'est pour cela qu'il faut vraiment revoir sa copie pour que les choses reprennent de manière très, très sérieuse. On ne peut pas continuer à faire du mal aux autres. Tous les Guinéens sont égaux devant la loi. Que tu sois Peul, Malinqué, Forestier, Malinqué, Soussou, etc., etc., vous êtes égaux partout. L'armée, c'est une collectivité de personnes qui sont là sans distinction de race, d'ethnie et de religion. Tu ne peux pas être dans l'armée parce que tu es chrétien, non. Tu vas dans l'armée, tu es musulman, non. L'armée, c'est laïque, c'est pour tout le monde. Yep. Tu es ici, l'armée, c'est pour tout le monde. Tu peux pas dire oui, je suis venu, je suis Peul, aujourd'hui je vais faire mal à tous les Malinqués, à tous les civils, à tous les... Non, je ne veux même pas parler de Peul parce que les Peuls, ils n'ont jamais gouverné la Guinée. Je n'aime pas parler le mot là. Ça fait beaucoup de peine que je parle ce mot là. Oui, oui. Ça fait beaucoup de peine. Mais quand je vois ce qui a été fait par des soi-disant professeurs en droit, entre guillemets, qui ont martyrisé les gens, qui ont colonisé les gens, qui ont tué les gens, qui ont exterminé les gens. Oui. Seul pour un propre intérêt, c'est-à-dire le sale boulot, rien. Mais qu'est-ce que vous cherchez alors que vous n'avez rien apporté? Rien. Rien apporté au pays. Vous salissez l'institution qui est là. Et aujourd'hui, on parle du 28 septembre. 28 septembre, c'est quoi? 28 septembre, c'est l'escalier numéro 2 pour qu'Alpha Condé vienne au pouvoir. C'est tout. Il n'y a pas de jugement pour ça. C'est lui qui veut être un bon juge. Tu dis la vérité, c'est tout. Mais basta. Basta. Donc voilà, il n'a fait aucune réforme, il n'a fait que prostituer l'armée, il n'a fait que salir l'armée, il a désarmé l'armée. Et détruire les bonnes. Il a monté les petits complots. Yeah. Les petits complots. Pour éliminer. L'affaire du 19 juillet, là, etc., etc. Un faux complot pour éliminer les gens qui sont des officiers qui ne sont pas de son ethnie. Et est-ce qu'on ne peut pas avoir peur avec ça? Si demain quelqu'un va venir, est-ce que si vraiment il ne pense pas au principe de la République, est-ce qu'il veut
Tu vois, c'est très dangereux, c'est très dangereux, c'est très dangereux. C'est très dangereux ce que ce vieux chétan il a fait avant de quitter. Oui, très bien. C'est très, très dangereux. Très bien. Avant de fermer cette émission, on a deux questions ici. Par mon frère Jean, voulait savoir si vous avez quelque chose à apporter sur l'implication de Toumba dans l'attaque du président Lansana Conté en Anko 5. C'est ce que je disais la dernière fois. Oui. Quand j'ai apporté un peu les solutions pour que le procureur de la République puisse attraper les gens vraiment qui sont fautifs de cette affaire. Le jugement du 28 septembre. Donc, je disais, j'ai aidé le procureur à retrouver le chemin. Parce que jusqu'à présent, ils sont dans une formule très élémentaire qu'on appelle Toto-Tir Nama. On ne peut pas aller comme ça, dans un principe républicain. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est ainsi que j'ai énuméré que, premièrement, le procureur de la République, il devait convoquer tout de suite le procureur de la République de première instance de Dixine, qui était là à l'époque des faits. Il faut qu'il vienne s'expliquer. C'était lui le patron de la jaune. Quand une infraction se commettait, il était là, assis, bras croisés, mais comme des procureurs de ce pays-là, combinés par Alpha Condé, parce que je suis sûr, quand Dadis était pris dans la République, ou quand même, bien même, l'ancien compte était là, les coups de téléphone ne partaient pas, c'est les procureurs. Mais ceux qui ont habilité les procureurs au coup de téléphone, c'est-à-dire, tu te lèves jamais, tu portes jamais ton pantalon, tant que le président t'a pas dit, ah, lui, fais ça, fais ça. On a eu des preuves. Dans les meetings politiques, il y a des gens comme les fascinés sans compte, Malik Sankon qui disait, ah, moi j'ai des ministres de combien de personnes? Des ministres, il ose dire, j'ai des ministres de combien de personnes? C'est lui, tu vois? Donc, le procureur général ne se lève pas. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, quand il y a eu fait le 28 septembre, le procureur n'a rien fait. C'est pourquoi ils ont effacé les preuves. Les gens sont venus ramasser des corps par-ci, par-là, sont allés faire ce qu'ils veulent. On connaît comment ça se passe, les corps. Si vous voulez donner ces informations aussi, on peut donner. Comment ça se passe quand ils prennent des corps, quand ils veulent faire que ces corps soient disparu complètement, ni vu ni connu. On connaît comment ça se passe, comment ils ont fait. Donc, le procureur, s'il avait pris ses dispositions pour envoyer les OPJ, les officiers de la police judiciaire, pour mettre les périmètres de sécurité, afin d'envoyer, de faire les enquêtes préliminaires, parce qu'il y a la police scientifique qui va venir pour recueillir les preuves, etc., on aurait eu des coupables aujourd'hui, devant les faits. On aurait eu des coupables, des vrais coupables, on aurait eu. Mais posez-vous, pourquoi le procureur n'a pas fait ça? Est-ce que quelqu'un l'a inquiété? Non. Non. Il n'a pas été inquiété. Au niveau des commandants des jaunes, les commandants des jaunes, pour revenir au cas de Toumba, ces jours-là, on avait dit que l'accès au stade, on a dit que les militaires sont casernés. Il y a eu une décision du chef d'état-major général de l'armée qui a dit que tous les militaires doivent être casernés. Donc, ça veut dire tout simplement laisser les civils faire les manifestations. Donc, tous ceux qui sont partis et qui sont militaires sur le stade de votre septembre, qui commettent des infractions ou pas, votre présence en dit tout. Donc, comment ils ont fait pour repérer? Normalement, les propriétaires de la brigade ont demandé les commandants alors pour s'enquérir des réalités de son PV ce jour-là. Parce que c'est comme ça qu'ils ont détecté les Toumba, comment ils sont arrivés à faire, comment on appelle, à tirer sur le cortège de la Sarconté. Ils ont tout de suite convoqué les gens, ils ont fait le contrôle de l'effectif. Tout ce qui était là autour du mât, dans les camps, on a vu les absents, on a enquêté les absents. C'est quand on a enquêté les absents qu'on est parti trouver que Toumba était blessé. Il était gravement blessé. Il le sait. C'est vrai qu'il a tiré sur le cortège du président Dadou. Donc c'est pour cela que j'ai donné le chemin au procureur. Pourquoi il y a eu ce jour une décision qui casernait les militaires? Pourquoi ce jour-là, pourquoi tu ne convoques pas les commandants de chaque camp, c'est-à-dire les commandants du camp Koundara, les commandants du camp Alpha Diallo, camp Samori, tous ces trucs-là? Pourquoi ils viennent, ils vous donnent les preuves des présents qui étaient là. Après, des absents, vous les recherchez. Parce qu'on a dit que c'est les militaires qui ont fait le truc. Donc, pour que les militaires fassent les choses, c'est ces militaires qui ont fait, qui sont partis du camp sans autorisation et qui sont partis sur le terrain. Alors que la loi dit clairement qu'ils n'ont rien à faire. Que cette décision soit prise ce jour-là ou pas, la loi dit que le maintien d'ordre n'appartient pas à l'armée. Le maintien d'ordre appartient à la police et à la gendarmerie. Oui. Le maintien d'ordre peut appartenir à l'armée. Les seules choses que il y a ce qu'on appelle des situations d'exception, c'est-à-dire qu'on parle de l'état de catastrophe naturelle ou l'état d'urgence, etc., etc. Vous avez vu quand les syndicats, autant de Lansana Conté, quand les syndicats ont beaucoup embêté Lansana Conté, il a fait l'état de chaise. Quand il a fait l'état de chaise, les pouvoirs étaient transférés directement
dans les mains du chef d'état-major général de l'armée. Oui. C'est pour vous dire que, c'est pour vous dire combien de femmes le portefeuille du chef d'état-major général de l'armée, c'est quelque chose de très important parce que c'est l'auxiliaire direct du premier, du président de la République. Quand on vous parle de l'auxiliaire du président de la République, en temps de paix, c'est le premier ministre. Le premier ministre est le chef du gouvernement, il assure la coordination de l'action du gouvernement, il contrôle la santé, l'éducation, tout ça, il préside au conseil interministériel, etc., etc. Mais en temps de guerre, il disparaît, son gouvernement disparaît. Le pouvoir appartient à l'armée. Et l'armée est coiffée par le chef d'état-major. C'est pour cela que l'armée, on ne nomme pas n'importe qui comme chef d'état-major général de l'armée. Donc, monsieur qui a posé la question, il faut dire que c'est parti de là, le constat sur le PV, les procès de verbal de présence ce jour-là autour de moi dans les différentes garnisons militaires. C'est dans ça qu'ils ont recensé, un, l'absence de toutes ces équipes-là, dont les Tumbala. Et on a vérifié, on les a pourchassés, la police et la gendarmerie, ils ont fait le travail. Ils ont découvert que les Tumba, c'est eux qui ont tiré sur le président général d'Ansara Conté. Quand l'affaire est venue au niveau de l'Ansara Conté, comme c'est un président tolérant, il a toléré, et voilà, jusqu'à présent. Sinon, que du fait que vous activez le tribunal militaire, c'est ce qui fait. On n'a pas dit de tuer quelqu'un. Mais quand un enfant faute, il faut le corriger. Parce que si tu ne le corriges pas au temps où tu devais le corriger, un autre jour, il va faire quelque chose de plus grave, plus pire que ce qu'il a fait depuis combien de temps. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, s'ils veulent d'autres informations encore beaucoup plus resserrées, j'ai le temps et j'ai toutes les preuves et j'ai resserré les informations. Bon, vous pouvez continuer, parce qu'on a encore 15 à 20 minutes comme ça. Tout dépendra de votre disponibilité. Mais vous pouvez éclaircir, donner un peu d'éclaircissement par rapport à ça. Parce que ma deuxième question pour mon frère, c'était qu'est-ce qui n'a pas marché avec la société BSGR? Pourquoi ils ont perdu la bataille minière? Donc, c'est sa deuxième question. Après ça, vous pouvez... Est-ce qu'on peut réserver cette question-là pour d'autres? C'est possible. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, il faut voir, je vais lui donner satisfaction. Oui, d'accord. C'est malheureux, c'est très malheureux pour notre pays. Oui. C'est très malheureux pour notre pays, pour la vie de la nation. Oui. Que les potentiels candidats qui viennent des partis politiques ne soient pas préparés. Ça, c'est un danger. C'est-à-dire, quand on parle de démocratie, la démocratie, ça commence d'abord au sein des formations politiques habilitées à déléguer les représentants du peuple, c'est-à-dire le président de la République. Oui. Si ces gens-là, c'est très dangereux qu'ils viennent comme ça, ils ne sont pas préparés. Un. Deuxièmement, c'est très dangereux que les candidats aux élections présidentielles viennent, on ne contrôle pas les dépenses pour savoir qui finance pour eux. C'est très dangereux. Oui. Même aux États-Unis où vous êtes, si tu veux aider un candidat à la magistrature suprême, en tant qu'individu, ce que tu dois payer, c'est contribution, c'est limité. Yep. En France, c'est 7500 comme ça. 7500 euros maximum. Oui. Tu peux payer de 1 euro jusqu'à... Voilà. Donc, c'est limité. Mais si des gens, des candidats, un, ils ne sont pas préparés. Deux, ils sont financés par d'autres partenaires. Trois, ils pensent qu'ils arrivent sur un terrain où tout le monde est considéré comme, entre guillemets, comme des moutons. Parce que ce qu'il a fait, Alpha Condé, ce qu'il a vraiment fait, c'est une faute grave. Mais une faute très, 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 très grave. Donc, il a déclenché un combat parce qu'il a bénéficié de cette fausse élection, parce qu'on sait que ce n'est pas lui qui a été élu, mais il l'a fait pour satisfaire ces gens, tous les gens qui l'ont aidé. Donc, sinon, même quand on est aveugle, tu ne peux pas retirer les mines de fer aux spécialistes pour donner aux Bandamana, aux Libanais. Tu ne peux pas. Dans les structures mondiales des sociétés minières, vous avez des sociétés minières qui ont des compétences élargies, comme BHP Billiton. BHP Billiton exploite à la fois le fer, la bauxite, le nickel, le cobalt, le zinc, tous les métaux de base. En plus de ça, BHP Billiton exploite ce qu'on appelle le pétrole. Quand il prend Rio Tinto, Rio Tinto exploite toutes les sociétés, toutes les mines, comme bauxite, fer, nickel, cobalt, tout ça, ils exploitent tout ça. Quand tu prends d'autres sociétés, chaque société a sa spécialité. Quand tu prends Rio, spécialiste en bauxite, ils sont en Australie, ils travaillent là-bas, ils ont une mine énorme. Ils vont peut-être finir à exploiter, peut-être dans 15 ans ou 20 ans. C'est encore du temps, ils ont du temps encore. Donc, quand tu prends Vale, une société brésilienne,
C'est le numéro un en fer. Donc, quand tu prends PSP Bliton, c'est le numéro un dans l'ensemble des productions minières et pétrolières. Quand tu prends Rio Tinto, c'est le numéro un en bauxite. Quand tu prends Vale, c'est le numéro un en fer. Et quand tu as une mine de fer dans laquelle est associé Vale, numéro un mondial, tu retires ça sous prétexte de corruption. Ok, tu as bien corruption. S'il y a corruption, qu'est-ce que tu fais en tant que président? Tu appliques la loi. Si les hommes doivent payer des milliards, tu payes des milliards, après ils dégagent. Mais si tu retires parce que oui, tu es venu, tu as fait une loi, et tu as fait une loi en tant que président, tu as profité de ça, de ton mandat, tu fais une loi et tu appliques la loi sur des gens à qui tu veux retirer parce que tu t'es venu préparer à ça. Ceux qui t'ont aidé, t'ont financé et donné, oui, nous, quand tu viens au pouvoir, on veut ça. On veut ça. Vaille que vaille, on veut ça. Donc voilà. Tu fais ça, tu retires. Mais même toi, en tant que professeur de droit, tu sais que la loi nouvelle est toujours ne peut pas rétroagir. La loi nouvelle ne peut rétroagir que là, s'il s'agit. Donc, on ne peut pas du tout rentrer dans l'espère. Je veux vous dire que ce qu'il a fait, c'est une bêtise. Parce que si Vale est venu, BGR a fait son travail, a investi 180, près de 200 millions de dollars. Avec ça, ils ont découvert Zogota, ils ont fini les travaux de bloc 1 et 2. Parce que je vous dis, mon frère qui a posé la question, la production minière, le premier travail de la production minière, c'est le risque. C'est-à-dire que toi, en tant que Mali, si tu as de l'argent, tu viens, tu dis, ah, je veux avoir un terrain, je veux ce terrain-là, il me faut ça pour commencer. Donc, qui te donne cet argent? C'est ton argent. C'est toi qui sais comment tu as fait pour avoir ça. Donc, si tu investis, le moment où tu vas perdre ton argent, où tu investis, parce que la terre est capricieuse, tu peux rechercher, tu trouves rien. Qui va perdre? C'est toi. C'est ton argent. Et l'État, est-ce qu'il y a une garantie pour que l'État te rembourse? Non, ça n'existe pas dans nos lois. Donc, quand BGR est venu, BGR a fait le travail, a investi plus de 200 milliards de dollars. Ils ont retrouvé les ressources qui étaient économiquement exploitables. Si vous voulez, je peux vous donner les chiffres, mais ça fera l'objet d'une autre prochaine émission. Aucun problème, vous pouvez garder donc, ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, la société était prête à travailler en 2012 pour construire, un, le chemin de fer Conakry-Cancan gratuitement, et remettre le rail et remettre le train, les données aux clients, construire l'aéroport international à Zéro Corée pour que les gens qui quittent de notre pays puissent aller directement au Brésil sans passer par Paris. Parce que comme vous le savez, entre Brésil et la Guinée, c'est l'Atlantique qui les sépare. Donc il fallait prendre directement pour que dans tous les autres pays, comme aux États-Unis, il y a beaucoup de sorties internationales là-bas. Tu peux descendre à Washington ou bien à New York ou bien n'importe où, à Chicago. Il y a beaucoup de sorties internationales. Tu n'as pas besoin de sorties seulement que... Donc c'était ça. Tout c'était fait pour ça. La production allait démarrer en 2012. 2012 pour que le pays commence à engranger entre 500 à 1 milliard de recettes fiscales par an. Si BGR avait commencé en 2012, aujourd'hui nous sommes en 2013. Aujourd'hui, on aurait récupéré combien de milliards de dollars aujourd'hui? On aurait fait comme le Rwanda. Le Rwanda s'en fiche de la Banque mondiale et du FMI. Le Rwanda est sûr de sa production, de son PIB, planifie son développement, construit des logements sociaux, construit des hôpitaux, construit les routes, les chemins de fer. Le Rwanda se développe tout seul. C'est un meilleur exemple, un modèle même pour l'Afrique. Mais ça peut être possible, c'est quand tu gagnes l'argent. Donc, les gens qui sont venus pour faire le travail là, toi, tu retires ça. Tu donnes ça à une société qui est adossée à ton fils, Mohamed Alpha Condé, qui est coursé à Costa Rica là. Et qui amène des Libanais à la place des professionnels, des Brésiliens. Brésil, numéro un. Vale, numéro un de la production mondiale. Tu retires ça, tu donnes à des banabana. Des gens qui vont chercher ce qu'on appelle les gens ventures, les raccourcis avec d'autres bannières pour chercher la plus-value sur vos mines. Et non seulement tu as fait ça, ils ont dit non, on n'a pas de moyens immédiatement. Ils ont dit ok, on vous donne les mines de Boki. C'est ainsi qu'ils ont donné toute la bauxite de Boki à ces gens-là. On dit exploitez les mines de Boki là, en attendant vous engagez de l'argent pour venir travailler sur le bloc R&D. Quand c'était dans les mains de BHR, est-ce que vous avez entendu parler de Boki? Non. Ils finançaient avec leurs propres fonds. Pour sortir de pays de cette galère, à construire le chemin de fer gratuitement, les propres 1,7 milliard cash, payer ça au truc. Une société qui a fait une dépense de plus de 1,3 milliard de dépenses déjà réalisées. Comment un président a pu venir pour dire tout ça, on a une source à zéro, basta. Tu crées des problèmes autour de corruption, autour de qui, l'affaire corruption avec qui, quatrième, quel ceci, cela. Mais tu penses quoi? Tu penses à quoi? Au pays ou bien à ta poche? Et voilà, il nous a mis, combien de fois il nous a mis dans le retard? Donc c'est pour cela que je réponds un peu, un avant-goût, éventuellement, merci. Pour que demain, s'il veut être à l'aise,
comme balance avec un thème comme ça qui relève vraiment de ma spécialité. Et là, je saurais vous dire que les fautes qui ont été accumulées depuis la Première République jusqu'à l'époque où nous sommes là, notre époque là, je vous dis toutes ces fautes, les manquements qui ont été faits, le démarrage qui a été fait pour donner de nouveaux vents aux Guinéens avec la décision du président Conté et la gérance des ministres comme les Alpha Ousmane, comme on appelle le ministre Soumala, comment il s'appelle, le ministre Soumala. Donc tous ces gens-là, je parle pas d'Ibrahim Souma, le ministre Alpha Madi Souma, parce qu'Alpha Madi Souma a été l'un des meilleurs ministres de réforme en Guinée. Malheureusement, il n'a pas été compris. S'il avait été compris, on n'allait même pas parler de BSGR. Parce que, pourquoi BSGR? Parce que tout simplement, on a donné une parcelle longue de 120 km à Rio Tinto. C'est-à-dire une parcelle qui quitte de Conakry jusqu'à plus de Fokaria, jusqu'à Farmoria. Ça, c'est la longueur de Simandou. Mais, c'est la longueur de, donc, la taille de Simandou. Donc, on a donné ça à une société. Et même vous-même, vous savez que stratégiquement, c'est pas faisable. On peut pas donner tous ses œufs à un seul client. Sinon, les jours où ça va se casser, tu vas perdre. Et donc, les gens, ils ont mis même pas sur nos mines, et ils ont continué à travailler ailleurs. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler chez nous, ils continuent à travailler ailleurs. Vous le savez, c'est la loi de l'offre et de la demande. S'ils ont accepté, avec la pression des autorités guinéennes, de commencer à travailler chez nous, il y aura beaucoup plus de l'offre par rapport à la demande. Et s'il y a beaucoup plus de l'offre par rapport à la demande, les prix du fer, ça va baisser. Et si les prix du fer baissent, ça a l'air déprimant parce que c'est eux qui travaillent ici. Ils travaillent ailleurs en Australie. Donc, ils ont dit, OK, on va gérer pour la Guinée. Ils sont pas matures. On va les amadurer, etc., etc. On va même pas respecter le temps. Donc, la loi te dit qu'il y a des timings pour le respect. Donc, ces timings-là n'ont pas été respectés. Il y a eu beaucoup de bancs d'alerte aussi. C'est ce qui a fait que les Guinéens, les vrais Guinéens se sont dit, oui, ils nous ont défendus compte tenu de la démonstration qu'on a faite sur Jogota. Parce que Jogota n'était pas repatrié sur le secteur de portefeuille minier. En Guinée, Jogota était hors du portefeuille minier. C'est nous qui avons découvert ça. C'était pas. Et je vous explique pourquoi. Mm-hmm. Il y a toute une démonstration à faire. Et pour que vous compreniez, vous devez savoir que les recherches géologiques en Guinée se sont limitées à 200 millièmes. 200 millièmes, c'était à l'époque où on était même pas indépendant. Quand c'était sous la coupe de la colonie française, etc., etc., il y a eu beaucoup de rafales il y a eu beaucoup de rafales pour connaître un peu le fond de nos sous-sols, etc., etc. On a vu que c'était des flashs, donc qu'on peut casser en 200 millièmes. Donc ça veut dire qu'en Guinée, on n'a pas la capacité encore, parce qu'on n'a pas fait de recherche jusqu'à 100 millièmes, jusqu'à 50 millièmes, jusqu'à 10 millièmes. Parce que quand on a ce niveau-là, on peut vraiment se rapprocher de l'objectif, de comprendre qu'est-ce qu'on a dans notre sol. Ça veut dire en gros que la Guinée ne connaît pas aujourd'hui les ressources qu'il y a dans son sous-sol. C'est tout vous dire. Parce que les données que nous avons, qui font l'objet de spéculations, à part celles que BSGR a faites, moi je peux vous dire, BSGR, quand on a eu le bloc 1 et 2, on a découvert plus de 5 milliards de réserves de fer. Je vous dis, je ne vous cache pas, ceux qui sont là-bas, avant que nous on vienne, il y a Rio Tinto qui est venu depuis 87, 86, ils ont eu les premiers permis en 87, depuis 87 jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas capables de communiquer la réserve qu'il y a dans les sous-sols, dans les blocs 3 et 4, ils ne disent pas la Guinée. Parce que en disant ça à la Guinée, ça énerve les gens. Quand bien même tu dois savoir, toi, en tant que quelqu'un qui ne connaît pas les mines, mais à un moment donné, une mine de fer est plus chère qu'un baril de pétrole. Une tonne de fer est plus chère qu'un baril de pétrole. Donc tu vois, donc quand tu compares les mines au pétrole, les mines de fer notamment, à des moments, le fer est plus cher que le baril de pétrole. Imagine le Nigeria se nourrit à travers son pétrole. Le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar à travers le Koweït. Nous avons notre or solide. Et quand bien même on veut travailler dans ça, des gens viennent, ils font des combines, guidés par nos chefs d'État, qui ont été financés par des bandits internationaux, pour nous dire, ouais, ils ont fait corruption, ils font des trucs. C'est pour cela que moi, je te parle, et j'assume. Dans tous les jugements qu'il y a eu, je suis le vice-président de cette société. Dans tous les jugements qui se sont passés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, Suisse. Que ce soit en Suisse, aucun procureur ne m'a appelé. Parce que tu sais, moi, je suis qui? Moi, je leur dis. Parce qu'ils disent, ils rapportent n'importe quoi. C'est des jugements qu'ils considèrent des jugements de la poubelle. Parce que ça ne va pas au détriment de mon pays et pas aux intérêts de mon pays. Moi, je suis un Guinéen, un patriote.
Moi, si tu arranges mon pays, arrange ma population, c'est ce que je soutiens. Très donc, c'est pour cela que je suis là. J'attends, personne ne m'appelle, personne ne me convoque même pour aller. Parce que moi, quand tu m'appelles, une fois, j'ai fait venir les gens là, les inspecteurs de FBI, qui ont dit, ah, c'est cela. Ils m'ont posé la question là-bas en guidée. J'étais avec mon collègue Issa Gatambura. J'étais le premier à être passé. Ils m'ont entendu, les gens du FBI. Quand j'ai dit, OK, Alpha Condé est parti aux États-Unis. Il s'est fait financer par Soros, son parrain, son patron. Et Soros a pris sa main, il est rentré au palais de la Maison Blanche en pleurant devant Obama. Obama, quand il l'a vu, il a eu des larmes, il a eu pitié de lui, il a appelé la femme ministre. Il a dit, ouais, non seulement Alpha Condé l'a dit là-bas à Obama, que voilà les gens qui sont là-bas, ils ont détruit ma mine à mine, ils sont en complicité avec une dame là. Ils trafiquent sur le dos là. Donc il a qualifié même son allié, Mamadi, de quelqu'un qui fait des fausses monnaies en dollars. Donc il a tout que Obama demande là, parce que l'Amérique ne pouvait pas déclencher la machine sans qu'elle ne connaisse pas ses intérêts. Donc dès l'instant que Alpha Condé a dit ça, avant de dire ça déjà, il avait donné 50 000 $ par le biais d'un Burkinabé qui est parti donner ça. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Je veux pas. Je non, il pas faut que... il faut réserver voilà. Ça parce que je vous dis ça est... parce que voilà. Normalement la question ne devrait pas avoir. Ça, et ne pas répondre, c'est fuir de mes responsabilités. C'est voilà. Pourquoi je réponds et non, je ne fuis pas de mes responsabilités. C'est très bien. Tout ce que je dis, tout ce que je vous dis, m'engage. Oui. Et je l'assume. J'assume tout ce que je dis. Très bien. Et je peux répondre. Je peux dire ça devant n'importe qui aux États-Unis. En Angleterre, en Suisse, partout, en France, partout, je peux dire ça, partout devant n'importe qui. Voilà, parce que je ne peux pas blaguer avec l'injustice, non. Moi, je suis quelqu'un, je ne me bats pas pour la justice. Je ne me bats pas pour l'injustice. Très bien. Je ne me bats pas pour la communauté, non. Moi, je ne me bats pas pour les sous-sous. Yep. Moi, je me bats pour la République de Guinée. Oui. Je ne me bats pas pour les malinqués, je me bats pour la République de Guinée. Yep. Je me bats parce que je dois faire quelque chose, parce que Dieu m'a doté de la compétence pour ça, pour aider mon peuple. Voilà, je me bats pour ça. Mais sinon, je peux croiser les bras, comme tout le monde. Oui. Je fais mon temps, basta, et puis je passe. Mais je le bats parce que j'ai la pitié. Oui. Quand j'étais à Kérouané, chaque fois que mon véhicule traverse quelqu'un qui marche là-bas à pied avec des bagages sur la tête, je suis peiné. Des fois, je descends, je donne un peu d'argent aux gens. Parce que je ne suis pas habilité de prendre l'individu et le mettre dans mon camion. Oui. Parce qu'en cas d'accident, ça engage la responsabilité de la société. De la société, bien donc, sûr. Donc, tu vois, si c'est ma voiture personnelle, je le fais. Mais après, je donne le truc. Mais tu vois, comment vous pouvez avoir des ressources fabuleuses? Depuis 58, vous êtes indépendant. Combien de gens qui sont morts? Et si on ne fait pas quelque chose, cette génération aussi va mourir. Les jeunes générations qui vont venir vont travailler avec les sociétés qui ont signé ce contrat. Le jour où vous allez revoir ces contrats, ils vont être petits, mais vous ne connaissez pas. Nous, on a signé ça avec vos grands-parents. Vous êtes petits dans notre affaire. Donc, tu vois, donc ils nous privent de notre recherche. Au moins, il y a des politiques pour ça. Si quelqu'un veut faire ça, je suis ministre des mines. Il y a des politiques pour ça, pour que, à la fois, la société, ses intérêts ne soient pas dérangés, que moi aussi, mon pays, son intérêt, son développement ne soit pas boycotté. Oui. Donc voilà. C'est ça d'ailleurs. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Donc voilà. Si vous me faites revenir dans ma compétence, alors ça va être chaud parce que. Non, ça ne sera pas aujourd'hui, monsieur Touré. Il faut prendre un peu d'eau. Et je vais vous revenir encore pour. Votre dernier mot, et ensuite, je ne sais pas si mes auditeurs ont des questions à poser, parce que je pense que today is enough. Vous avez... I'm telling you, et je vois beaucoup de Guinéens busy, beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui nous écoutent à travers le monde entier. Et Monsieur Bangoura, je n'ai que deux lignes. Vous pouvez écrire si vous avez quelque chose à me dire. Si vous avez quelque chose à poser, écrivez et envoyez un message. Parce que je n'ai que deux lignes. Mon invité occupe l'autre et je suis là avec la population guinéenne. Les militaires, vous avez écouté votre frère. IST. Prenez note et enseignez. Il faut enseigner dans les garnisons. Notre retard commence là-bas. L'armée guinéenne, la Guinée n'a pas d'armée, n'a plus d'armée. On n'a que les milices. Parce que
capitaine Maclo, où il doit s'arrêter. Général, la même chose. D'abord, il a le grade général. Il sait même pas comment. Ça dit, tout est fait, Amine, sur une base communautaire ou affinité. Je ne sais pas. Alors, ça va dans l'intérêt de tout un Guinéen patriote. C'est pourquoi je demande à mes auditeurs de partager massivement pour que tout le monde puisse prendre quelque chose dedans et ça va servir la nation. C'est notre mission. C'est l'objectif de veiller sur le fonctionnement de nos institutions. Surtout précisément derrière l'armée. Parce que regardez, une milice qui gère le pays aujourd'hui. Une milice qui n'a pas de respect. Une milice qui cherche à détruire nos institutions. Comment est-ce qu'on peut aller avec ça? Qu'est-ce que le pays a dans ça? Il faut choisir les techniciens qui peuvent nous expliquer techniquement comment développer cette nation, comment veiller, surtout la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on bouffe n'importe comment à Conakry, en Guinée en général. Rien n'est contrôlé. Les Libanais ne font qu'envoyer des produits, c'est-à-dire des aliments. C'est pas moi, on ne sait pas d'où vient cette. Pourquoi chaque fois les hôpitaux sont remplis? Ça, c'est comment on appelle ça? L'incapacité du gouvernement. Alors, aujourd'hui, M. Touré, votre dernier mot, qu'est-ce qu'il nous faut pour arrêter tout ça là? Qu'est-ce que vous allez dire concrètement aux Guinéens, surtout à la jeunesse guinéenne? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que le pays, ça ne va pas du tout. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, si ce n'est pas des combines, c'est des combines. Si ce n'est pas des violences, c'est des violences. Si ce n'est pas des viols, c'est-à-dire, tu ne peux pas croire. La Guinée n'a jamais eu la guerre civile. Mais de 1958 à nos jours, ce pays a perdu plus de combien de 1000 personnes, intellectuelles, ouvriers. Mais est-ce que cela est normal? Votre dernier mot, s'il vous plaît. Ben, je vous remercie, monsieur Camara. Vous savez, pour parler du problème guinéen, il faut prendre beaucoup de recul. Oui. Parce que quand tu parles, il y a des calculateurs qui pensent que tu parles pour défendre les sous-sous ou bien ceci, cela. Moi, je ne suis pas dans cette peau-là. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Guinée. Oui. C'est-à-dire notre bonheur commun. Mm-hmm. La Guinée ne doit pas être notre affaire à nous. C'est notre bonheur commun. Quand vous avez des choses à faire, la première des choses, il appartient à des autorités d'abord, donc à ces autorités de prendre conscience de ce qu'elles sont en train de faire. Il y a beaucoup de sujets qui sont projetés. Sujets de constitution, sujets de transition, sujets, etc., etc. Il ne faudrait pas que d'abord la transition soit considérée comme une période d'exception. C'est une grande différence entre une période de transition et une période d'exception. La période de transition, comme on le dit en français, quand on dit transition, c'est la courte durée. Oui. C'est-à-dire parce qu'on sait que vous avez pris quelque chose, après, ce n'est pas votre travail, donc vous devez juste mettre un peu de l'ordre et donner à qui de droit. Oui. Donc c'est la courte durée. Oui. Mais si il y a le flou, où des gens disent, ouais, il ne faut pas qu'on a eu, c'est très doux, on va rester longtemps là. Non, ça, ce n'est pas bien. Il faut d'abord chercher à savoir entre moi, mon intérêt et l'intérêt du pays, qu'est-ce qui va mieux? Si c'est ton intérêt, ok, tu continues. Si c'est l'intérêt du pays, tu laisses. Tu fais la part entre transition et exception. Oui. Quand on dit période d'exception, tu peux prendre un pouvoir, tu dis, ouais, c'est une période d'exception. Ça peut aller jusqu'à 5 ans. Et vous-même, vous savez, le pays dans lequel vous êtes, aux États-Unis, le mandat électoral là-bas, c'est 4 ans. Oui. C'est 4 ans. Un mandat électoral. Yep. Dans certains pays, c'est 5 ans. Dans d'autres, c'est 6 ans.
Donc, il ne faut pas faire la différence, il ne faut pas faire la confusion entre exception et transition. Transition, c'est courte durée. Donc, faites ce qu'il y a à faire, remettez de l'ordre dans le truc et passez le pouvoir aux civils qui sont déjà préalablement préparés. Préalablement préparés, ça demande quoi? À la part de la constitution. Il faut que les gens, chacun contribue parce que c'est un projet commun. Oui. Chacun apporte. Personne ne doit être négligé. Oui. Les leaders religieux, ils doivent avoir leur pognon. Les militaires, on dit que les militaires, ce n'est pas des politiques, etc., etc. Mais on dit que dans le fonctionnement de la politique, est toujours adossée à l'armée. C'est pourquoi il y a le Conseil supérieur de la défense. Donc les militaires, ils ont ce qu'ils ont à dire. Parce que tu sois civil ou militaire, la constitution, c'est pour tout le monde. Les syndicats, la société civile, tout le monde va apporter ce qu'on appelle sa vision avant de commencer des projets-là. Ça, c'est notre projet commun. Et ne mettez pas en tête que vous dirigez, c'est pour donner le pouvoir à une communauté, à quelqu'un de... Non, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous travaillez pour vous. Vous ne travaillez pas pour le peuple. Si vous voulez travailler pour le peuple, vous devez être impartial, oui. Indépendant. Yes. Vous ne devez pas suivre des conseils à gauche ou des conseils à droite. Et transparent. Parce qu'il y en a qui pensent que... Il y en a qui pensent que si je reprends leur calcul, c'est très dangereux. Oui. Il y en a qui pensent qu'une fois qu'il y a le pouvoir, il faut garder le pouvoir. Oui. Pour le profit d'une communauté. Non. Et si c'est comme ça, il y a des communautés qui n'ont jamais eu cette chance-là. Il faut leur donner la chance si c'est comme ça. Oui. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire attention. Parce que si on ne fait pas attention entre ce qui se passe et ce qui va être notre avenir de demain, ça sera la carte que la jeunesse doit avoir. C'est pour cela que j'interpelle la jeunesse. La jeunesse ne doit pas se rester croiser les bras comme ça, non. Les enjeux qui se passent, ce sont les enjeux de demain, donc les enjeux de futur. Et les acteurs de demain, c'est la jeunesse. Il faut arrêter d'applaudir n'importe quoi pour n'importe qui. Si ça ne va pas, la jeunesse doit se lever, prendre la destination de son pays. Yeah. C'est très important. Moi, je vais vous dire, pour mon pays, aucun sacrifice n'est de trop. Je dis bien, pour mon pays, aucun sacrifice n'est de trop. C'est-à-dire, si je vois des bêtises comme ça qui se passent et qui se multiplient, et qui vont dans la connotation régionale ou ethnique, ou bien ceci, cela, etc., etc., yes. Mon corps, mon âme, ma vie, mon essence, ma quintessence, tout ça, je mettrai tout sur le palier pour défendre mon pays, quel que soit le prix. Merci. Quel que soit le prix, quel que soit le groupe, yep. Quelle que soit la façon de faire, oui. Pour le pays, il n'y a aucun sacrifice qui sera de trop pour moi. Yes. Il faut pouvoir arrêter les bêtises. Yep. Dans l'armée, on a vu, il y a trop de bêtises. Yes. L'armée est devenue comme un instrument politique. Yep. C'est lui qui vient, il nomme qui il veut pour effrayer d'autres. Non, yep. C'est pas comme ça. L'armée est une institution qui doit être respectée, tout comme la Cour, les juridictions, c'est-à-dire la Cour suprême ou la Cour de cassation, appelez ça comme vous voulez dans votre pays. Yep. La justice doit être indépendante. Les juges ne doivent pas attendre le coup de téléphone d'un président ou bien d'un ministre pour continuer à démarrer. Oh, il y a des procureurs qui ne vont jamais se lever. Il peut y avoir des cas comme ça, des injures publiques ou bien des ceci, cela. Ils ne se lèvent jamais tant que le président ne lui a dit « Ah, tu as vu le propos de tel, pourquoi tu n'as pas... » Donc, non. Le procureur de la République, ton rôle, c'est de protéger la loi. Tu dois faire tout, tu dois poursuivre tout ce qui est, tout ce qui vont intervenir contre la loi. Pour tout ce qui est pour la bonne marche, toi, c'est ton reste, ton devoir, ça. Yes. Tu ne peux pas attendre l'appel du ministre ou bien de ceci, cela, ou bien des chefs de cabinet, non, pour démarrer. C'est pour cela que j'ai dit, et j'insiste là-dessus, pour l'affaire du 28 septembre, il faut faire venir le procureur qui était là. Il était là. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait quand il y avait des exécutions au stade? Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'a rien fait. Et vous êtes en train d'accuser des gens pour dire, ouais, vous étiez là, gendarme, ceci, cela. La première des choses, d'abord, les gens qui ont servi à protéger la loi, pourquoi vous ne le faites pas venir? On ne doit pas protéger. Dans les républiques, on ne protège personne parce que tout le monde est égal devant tout le monde. Oui. Tout le monde est égal devant tout le monde. Yeah. Donc ce projet-là, il faut que ça rentre bien dans les oreilles des gens. Pour les jeunes-là qui ne veulent pas bouger, je veux dire, j'ai un élément pris mon ton. Je vous dis, je vous parle. On ne peut pas rester à croiser les bras ou alors à applaudir des gens. Les jours passent. Notre génération, notre avenir est un défi. Donc ce défi-là, il faut pouvoir le relever. Quelle que soit la manière, si on voit les injustices comme ça se poursuivre, on va pour lever le ton et on va reprendre nos destinées. Ça, on le fera, quelle que soit la manière et quels que soient les moyens. J'insiste bien là-dessus. Merci. Et tout ce que je dis, ça m'engage, moi, personnellement. Ça n'engage ni X ni Y, mais ça engage moi, personnellement. Très bien. La République de Guinée, il faut, à un moment donné, la réveiller.
On ne peut pas être là à côté, on voit le Sénégal se développer, la Côte d'Ivoire se développer, les autres pays se développer, le Ghana se développe, et nous, on n'a rien. On n'a rien. Nos gens là viennent, ils arrivent sur leur poste, ils quittent là-bas, et ils se mettent encore en aventure. Aujourd'hui même, ça a devenu un problème pour la conscience des Guinéens. Qu'est-ce qu'il faut pour remettre le pouvoir à quelqu'un qui sont, entre guillemets, les Guinéens de l'étranger? Parce qu'ils en ont peur. La démarche d'Alpha Condé a vraiment fait du mal à tout le monde. Donc il faut ça, les jeunes. Réveillez-vous. Vous êtes le baromètre de cette affaire-là. Si ça ne va pas, on doit se lever pour faire revenir la marche. Donc je demande aux autorités d'écourter les transitions là. Il ne faut pas que la transition devienne une période d'exception. Quand c'est comme ça, c'est très dangereux. Parce que quand c'est comme ça, on dit que tout est exception. Tout ce qu'on fait, rien ne sera sur l'assiette juridique. Rien ne sera sur la légalité. Parce que le jour où il y a un pouvoir élu, c'est là que la légalité va démarrer. Donc pour le bien du pays, il faut écouter les affaires là. Parce qu'on peut le faire. Moi, à la place d'un Premier ministre, les CNT que vous avez mis en place pendant 8 mois, moi je peux mettre ça en 2 semaines. Le Conseil national de la transition, ça ne dépasse pas 10 jours. On peut mettre ça. On ne peut pas mettre 8 mois pour faire des choses comme ça. C'est des futilités. Si on veut avancer les choses, tous les temps, tous les jours sont comptables. Vous savez, aux États-Unis, quand on perd un jour de travail, un jour, combien ça fait pour le pays? Alors voilà, nous on a perdu, on perd, on continue à le perdre. Et ce qui est mauvais, il y a des sujets comme les sujets miniers. Appelez les professionnels, au moins qu'ils disent leur mot, leur avis. Quitte à vous de prendre compte ou de ne pas prendre compte avant de prendre des décisions. Parce que la République n'appartient pas à une catégorie de personnes. Non, pas mais comme, alhamdoulilah, Alpha Condé pensait qu'il faisait les choses et tout. Mais aujourd'hui, c'est un autre truc. Ça veut dire demain, tout est à refaire. Et tout va être refait. Donc les gens aussi, les investisseurs aussi qui se pressent pour payer l'argent du sang, juste pour garder leur intérêt, ça aussi, vous le faites à votre détriment. Parce qu'en matière des affaires, vous savez ce qui se passe. Donc, à bon entendeur, salut. Merci, mon frère Touré. Merci, le libérateur. Encore, vous avez... Je ne vais pas vous laisser, hein. Attends, parce que mes oreilles commencent à être... C'est vraiment excellent de votre part. Et il y a un monsieur ici, il nous parle de l'affaire de 700 millions de riyot de Ntoba. Je ne voulais pas venir sur ça. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça, les 700 millions de riyot de Ntoba? Je pense qu'il faut centrer les sujets miniers là. On va pouvoir reprendre ça. Bon, monsieur, vous pouvez. Évidemment, je peux dédouaner cette question parce que la première question, j'étais obligé de répondre parce qu'il ne faut pas que les juristes pensent que j'ai un sentiment de fuite ou bien je peux. Non, moi, je n'ai pas aucune question. Merci. Je suis un républicain. Tous les sujets de mon pays m'impactent et me concernent. Avec donc, plaisir, voilà. Monsieur. Voilà. Avec plaisir, si vous pouvez apporter quelque chose par rapport à ça, me ferait un grand plaisir. Je vais faire ça quand on va proposer une émission consacrée rien que sur les mines. Comme ça, vous aurez à poser la question sur la situation de Simandou, de Nimba, de ceci, cela, etc. De toutes les mines de ce monde. En tant que professionnel, je me forcerai de vous donner quelques réalités. Et quand je parle, je ne te parle pas des réalités de quelqu'un qui résonne comme des années 1900 ou bien 1800. Non, moi je suis quelqu'un de moderne. Je suis praticien. Je ne suis pas dans les tic-tac politiques ou bien dans les tic-tac philosophiques. Je dis ce qui est faisable. Parce que nous, quand on a bénéficié de ces formations, Dieu merci, on nous considère comme des Ivoiriens parce que je suis touré. Donc on a donné des informations que si on était Guinéen, on n'allait pas me donner nous. Donc il faut faire attention. Donc normalement, ces choses-là, il faut les communiquer, mais il faut les communiquer dans un cadre. Vraiment, voilà. Mais moi, je le fais pour mon pays. Comme je le dis, ma devise est que pour mon pays, aucun sacrifice n'est de trop. Donc voilà. Si mes Guinéens, mes compatriotes veulent savoir ce qui se passe dans le domaine minier, je le dirai. Parce que nos mines ne vont pas être considérées à être confisquées comme ça par des clans qui sont dans les métropoles là. Ils sont assis sous les clims, ils gagnent des dividendes, alors que notre mine est couchée là-bas. Nos parents sont en train de mourir sous l'effet du paludisme. Les maladies qui ne doivent plus tuer aujourd'hui. Hein? Plus tuer aujourd'hui. Sous l'effet du paludisme. Sous l'effet des maladies virales. Alors que nos enfants devaient bénéficier de ce qu'on appelle des vaccins nécessaires pour rehausser leur niveau de vie. Donc faire monter notre espérance de vie. Aujourd'hui, en Guinée, l'espérance de vie, c'est de 50 ans. Tout simplement parce que nous avons manqué les premiers gouvernements, ils ont manqué le coche. Ils se sont mis à tuer les intellectuels. Et nous aussi, on ne peut pas continuer à faire ça.
Nous avons une orientation à faire, à donner pour notre République, pour que on fasse des études synthèse pour permettre à nous, les nations qui viennent là, de profiter de cette affaire-là. Aux enfants, d'être bien soignés pour qu'ils puissent vivre longtemps. Bien éduqués. Aux États-Unis, l'espérance de vie est très longue. En France, c'est 80 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. Et vous comprenez, nous, c'est 50 ans. Pourquoi? Parce que nos enfants, ils naissent, ils ne gagnent même pas, ils ne bénéficient même pas des vaccins nécessaires. Ne serait-ce que pour leur protection virale. N'est-ce pas? Donc, il y a des problèmes. Ils ne sont pas bien éduqués. Les gens sont candidats à l'échec des collectifs des jeunes. On leur met toutes les barrières eux-mêmes parce qu'ils ne connaissent pas comment faire. Sur le plan de l'éducation, eux-mêmes mettent les barrières pour faire mal aux jeunes, sans le savoir. Mais ils le font sans le savoir. Mais en gagnant des dividendes dans tout ce qu'ils font. Donc, c'est à cela que j'interpelle les jeunes pour que, quand on voit ça, parce que tout a une fin, quand on voit l'injustice à un niveau, on est obligé de se lever. Et quand on va se lever, c'est à casser ou à prendre là, à prendre ou à laisser. Donc voilà, ça récupère et faire ce qu'on doit faire. Parce que si on ne le fait pas, on a un devoir moral. On a un devoir moral vis-à-vis des gens qui viendront après. Si on ne le fait pas, on a un devoir sacré vis-à-vis de ceux qui viendront après. Donc nous, on doit se sacrifier. C'est comme ça dans toutes les sociétés. Hein. Même en France, il a fallu que les gens se sacrifient en 1788, ouais. En 1789, pour faire la révolution. Ouais. Ça, c'est la Bastille. Écraser la royauté méchante qui était là pour reprendre la vie de la République. À travers les intellectuels de Denis Diderot, de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, tous ces gens-là, ils ont contribué. Les artistes, ils ont contribué. Les poètes, ils ont contribué. Tout le monde, la force vive. Donc, nous aussi, en Guinée, ce n'est pas parce qu'on n'a pas écrit qu'on ne peut pas faire. Les imams, tout le monde doit contribuer. Ah, mais Marie-Mélina, l'imam de la politique. L'imam de la politique, il finit à Rabat, il faut l'imam de la politique, il finit à Rabat. Même l'imam de l'Arabie Saoudite a son mot à dire. Quand il doit venir dans un pays, quand il vient, son carnet de mots d'abord pour dire, ah, vous êtes assis dans un paradis. Les gens se posent la question, mais pourquoi? La dernière fois, quand Lassar Conté a invité l'imam, le premier imam de la Mecque, quand il est venu, c'est ce discours-là qu'a prononcé, il a dit, mais vous êtes dans un paradis. Il a dit, mais c'était étonnant que l'imam dise que vous êtes dans un paradis. Il a dit, mais expliquez-nous. Ils ont dit, vous avez tout. Vous avez une fabuleuse ressource. Le sol, il est bon. Dieu vous a donné un don immense. Mais il suffit seulement que vous vous organisiez pour vous. Donc voilà, ça c'était le propos d'un imam. C'est pas des gens qui gagnent des pécules après que tu fasses des trucs de vassalité vis-à-vis de toi. Non. Non. Donc c'est pour cela que tout le monde doit avoir son mot à dire. Et si vous n'avez rien à dire, croisez-vous, laissez les jeunes vraiment faire des choses qu'ils doivent faire pour changer la donne. C'est comme ça, c'est très simple. Au lieu de parler, ou bien de prendre parti, ou bien d'orienter mal le sens de réflexion des jeunes. Parce que je vois beaucoup d'imams déconner là-bas, dire des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire. Ah oui, manen, c'est quoi ça? La République, c'est pour tout le monde. Tout le monde a son mot à dire. Donc c'est pourquoi on doit faire attention. En tout cas, à un moment donné, on va se lever contre l'injustice. Et ça sera fait. Oui. Tous ceux qui sont en train de planifier des petits coups là, pour dire, ouais, ceci, cela, après, c'est parce qu'il y en a déjà qui savent qui va être président, après, ceci, cela. Ça ne se fera pas. Abandonnez ces petits plans-là. La République, elle va être récupérée. Merci. Sachez-vous les boulevards. Viens m'entendre. Trouvez-vous des boulevards, des bons boulevards. Mais pas des boulevards pour les combines. Non, ça ne marchera pas des combines. C'est le dernier temps parce que Dieu a dit. J'aime entendre ça. Ça, c'est la parole d'un homme. Un homme doit. Dieu nous a donné cette projection. Yes. Pour voir que dans cette République de Guinée, où il y a 255 845 km², où il y a des populations de près de 15 millions, même si vous ne connaissez pas le calcul, nous on estime à plus de 15 millions d'habitants. Oui. Parce que quand on vous demande la réponse, 10 millions, 11 millions, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Donc, où il y a une population dans laquelle, au sein de laquelle, il y a ce qu'on appelle les structures organisées, les syndicats, les politiques. Tous ces gens-là,
la jeunesse. Mais quand ça ne va pas, à un moment donné, la jeunesse, elle se lèvera. Elle se lèvera. Merci. Elle se lèvera. Elle prendra son destin en main. Donc, c'est l'appel que moi, je vois. Je pense que si je parle, le sentiment que j'ai et l'estime que j'ai pour les gens qui sont aux affaires, c'est pour vous dire que de faire la part des choses, comme je l'ai dit, la transition, ce n'est pas l'exception, la période d'exception. Parce que la période d'exception peut aller au-delà de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous pouvez faire. Ça, vous avez dit problème. Mais la transition, c'est courte durée. Normalement, vous ne devez même pas faire 9 mois. Oui. Si vous êtes dans la yep. transition. Yep. Donc, essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir. Arrêtez de pagailler. Arrêtez de dire n'importe quoi, ah. pour dire des choses. J'entends beaucoup de gens dire, ah, mais, le pouvoir a dit que oui, la transition commence à la paix, mais ça veut dire vous-même qui avez pris ce pouvoir. Vous estimez que le jour de la prise et par rapport au début de votre soi-disant transition, ça veut dire que tout ce que vous avez fait comme acte, tous les actes qui ont été posés, donc juridiquement ces actes ne sont pas fondés. Parce que vous-même, vous avez dit non, ça commence. Donc ça veut dire que tout ça, c'est dans le vide. Vous permettez maintenant les portes aux avocats un jour d'attaquer le pays. Une fois qu'il y a des... Voilà, tu vois, voilà. Il faut, c'est pour ça, tout ce que tu dois faire dans le cadre républicain, il faut le faire dans la légalité. Parce que sans la légalité, il n'y a pas de protection. La meilleure protection se fait autour de la loi. Parce qu'on dit qu'un état de droit, c'est un état dans lequel que tout le monde est, que la loi est au-dessus de tout le monde. Tout le monde devient sujet de droit. Personne n'est au-dessus. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas... Tout le monde est sujet de droit. La loi est au-dessus de tout le monde. Donc maintenant, si vous vous dites, vous répartissez des choses comme ça, ça veut dire que vous donnez une vision demain pour attaquer les premières années qui ont fait l'objet des transitions. Alors que rien que pour cette première année-là, on aurait fini la transition. Yep. Donc voilà. Très bien. Donc. Non, allez-y, monsieur Touré. Donc l'appel, c'est pour la jeunesse. Moi, je parle, je ne suis pas le porte-parole de la jeunesse, mais j'ai fait un appel. C'est différent. Hein, le porte-parole de la jeunesse et l'appel lancé aux jeunes. Dans tous les cas, que quelqu'un comprend, que quelqu'un ne comprend pas, ce qui se passe là comme scénario, c'est Dieu qui a voulu que les gens sachent quels sont les mauvais comportements dans la société guinéenne. Avec le procès du 28 septembre, on a compris tout. Tout ce qui se passe aussi, on comprend tout. Le procès du 28 septembre nous a donné la chance que demain, il faut qu'on ouvre le procès pour ce qu'on appelle la tricherie de l'élection présidentielle de 2010, le détournement du suffrage universel de 2010. Donc, tous ceux qui étaient membres du CENI à cette époque-là, tous ceux qui étaient membres de la Cour constitutionnelle ou membres de la Cour suprême à cette époque-là, vous serez interpellés. Parce que vous avez volé celui à qui le peuple a dessiné son suffrage. Celui qui a gagné, vous l'avez triché. Ça se fait que le pays. L'affaire de l'eau empoisonnée, ça va faire l'objet d'un procès. Tous ceux qui se sont mêlés dedans pour créer des embrouilles dans la tête des gens, pour récolter ce qu'on appelle le suffrage à la faveur d'un camp, pour ça, ça fera l'objet d'une procédure pénale qui va être engagée contre les gens. Tous ceux qui ont mandaté, tous ceux qui ont contribué pour le troisième mandat, alors qu'on savait pourtant que c'est une démarche illégale, les membres de la Cour suprême, les membres de la Cour constitutionnelle, je vais dire, tous ces gens-là, les députés qui étaient là à l'époque-là, les députés-là, tous ces députés vivants, vous devez vous expliquer. Pourquoi vous avez accepté ce contrôle-là? Parce que vous avez mis la République en danger. Danger. Les soldats, les officiers supérieurs, les officiers généraux qui étaient là à l'époque, regardez cette affaire-là, c'est passé. Et vous devez répondre. Très bien. Dans la République, il n'y a pas de petits mamadou, tout le monde est égal devant la loi. Que tu sois soldat supérieur ou un soldat inférieur, ça n'existe même pas ça, devant la loi. Non. Donc, les choses seront faites. Et le pays, parce que le pays, pourquoi je dis ça? Le pays est appelé à le faire. Parce que s'il ne le fait pas, il ne brillera pas demain. Non. Parce que s'il ne le fait pas demain, il y aura ce qu'on appelle une façon de recopier, une reproduction continuelle de la même chose. C'est-à-dire que quand c'est une autre ethnie qui vient, il fait la même chose. Les autres, ils font la même chose. C'est pas normal. Donc il faut mettre fin et ouvrir une nouvelle base pour la République. Très bien. Et pour les enfants de la République. Très bien. Très bien. Très bien. Merci. Pour votre disponibilité face à nos problèmes d'actuel qui sillonnent, qui rongent notre pays. Cela ne date pas aujourd'hui. Ça s'est commencé depuis avant soi-disant indépendant.
La Guinée est pitoyable. Les Guinéens sont...